be back. Allô? Allô, c'est la direction. Y'a quelqu'un? C'est la fête de la musique. Attends, je vais faire une trompette avec ma... Vous écoutez. DJ Click. En direct de Nantes. Ah, ça vous trouverait le cul, hein, si là je lance le live et je suis en train de mixer au milieu de la foule à Nantes, hein. Gueulez un coup, la foule! Bah, il n'y en a pas. Elle n'a pas gueulé, il n'y en a pas. Mais ça serait une dinguerie, quoi. T'imagines? Bam, caméra, l'autre, il est au milieu de la foule. Mais pas du tout. Ah, c'est con, on aurait dû le faire en fait. En plus, je danse aussi bien que... Mesdames et messieurs, bonsoir. Est-ce que tu sais mixer, Alex? Je sais mixer, je mixe aussi bien que je danse. Voilà. Est-ce qu'il y a du monde qui m'a déjà vu ou pas? Voilà. Ah, excusez-moi, je répondais à la modération, mesdames et messieurs. D'ailleurs, bonsoir, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Quelle heure il est aujourd'hui? Il est 21 juin, nous sommes le 20h36, my name is Click, et c'est le jour de l'été. C'est l'été, bordel, il va faire chaud. Ah non, j'aime pas le chaud, je préfère l'hiver. Arrivé en hiver. Ah là là, il fait trop froid, je préférerais le chaud. Arrivé au chaud. Ah là là, il fait trop chaud, je peux avoir du froid. Arrivé au froid. Ah là là, il fait trop froid, je peux avoir du chaud. Arrivé au printemps. Oh là là, c'est mi-saison, il fait ni froid ni chaud. Ouh, j'aime pas trop. Arrivé l'été, ah, il fait trop chaud, je peux avoir du froid. Arrivé au printemps, à l'automne, oh, c'est un peu plus vieux, j'aime pas trop ça. Arrivé à l'hiver, oh, la pluie me manquait, il fait trop froid. Bref, mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on fera les Mano Games. Et notamment dans le chat, vous voyez mon copain Max, Max Gaming, c'est Max Lermenier, mesdames et messieurs. C'est l'homme qui écrit avec moi ceci, cette dinguerie. On va en parler d'ailleurs et je vous en fais gagner une d'ici quelques instants. La modération va se préparer pour faire... Est-ce qu'on peut commencer un point d'exclamation? Est-ce qu'on peut direct faire gagner une BD? Alors, tout en sachant que la BD que vous gagnez, c'est ou le tome 1, ou le tome 2, ou le tome 3, c'est vous qui décidez. Voilà, donc celui d'entre vous qui gagne choisit. Il veut le tome 3, il prend le tome 3, il veut le tome 2, il prend le tome 2, il veut le tome 1, il prend le tome 1. C'est à l'occasion des incroyables histoires de Miguel, Max, moi-même et Jungle. Vous proposons de gagner une BD tous les soirs, pendant 20 soirs. Bref, mesdames et messieurs, c'est le... Quand je veux, eh ben let's go. Point d'exclamation, je sais plus ce que c'est. C'est quoi ce soir? C'est point d'exclamation quoi? En plus, on le fait avec Monique, on teste Monique, on aime tester Monique. Point d'exclamation... Point d'exclamation BD Miguel 3 dans le chat pour tenter de gagner la nouvelle BD des aventures de Miguel. Et ben voilà, c'est Monique qui vous le dit, c'est Monique Bot. N'hésitez pas. Point d'exclamation BD Miguel 3 pour tenter de gagner. Il y en a un de vous qui gagnera la BD tout à l'heure. On lui envoie après dans la foulée. Celui d'hier est déjà parti. Voilà, c'est pour vous dire. On va vite avec Max. On est rapide comme l'éclair. Merci à Idéal d'ailleurs qui vient de resub 10e mois parmi nous. Merci à Beaugriné. C'est son 9e mois parmi nous. Merci à ADN00 qui vient de resub aussi son 13e mois parmi nous. Merci à toi. Et d'ailleurs, en parlant de cette BD parce qu'elle est sortie il y a quelques jours, je voudrais juste vous lire 2-3 commentaires, parce qu'hier je vous ai dit, oui, le tome 1 et le tome 2 sur Amazon, il y a plein de commentaires, mais pas encore le tome 3, qu'est-ce que vous branlez? Très bien, je vais vous lire les commentaires qui ont été écrits, True Story, vous pouvez les retrouver sur Amazon, si d'ailleurs c'est votre cas, vous l'avez acheté sur Amazon ou la Fnac, n'hésitez pas à laisser un commentaire, je vous lis les commentaires. Commentaire de Tilou, une BD magique, c'est fantastique, depuis que j'ai acheté cette BD, mon chat fait sa litière tout seul. Je vais pas tenir. Altatam, il dit « Depuis que j'ai lu ce tome, toutes les femmes me donnent leur numéro de téléphone. » Mais c'est pas possible, on va avoir des problèmes. Et tout le monde a mis 5 étoiles. Hein. Et Sébastien Rombaud, il a carrément mis son nom, son prénom. Il a dit « Je l'ai pas encore lu, mais elle est super. » Merci Alex. Kana qui nous dit « Je suis devenu riche et beau grâce au tome 3. » On a Gaillard qui nous dit « Elle a changé ma vie et celle de mes enfants. » on a aussi un client Amazon qui dit cette BD tellement bien que j'ai failli la racheter pour la relire. Attendez, une BD incroyable pour d'incroyables histoires. Déjà le tome 1 m'avait fait rêver et m'avait guéri de ma toux. Le tome 2 m'a permis d'avoir une police. Le tome 3 m'a redonné des cheveux éclatants. Je n'ai plus de cheveux blancs depuis. Un vrai régal pour les petits comme pour les grands. Et exceptionnel vos commentaires, continuez de les faire péter, c'est génial. Un mélange de Victor Hugo et des Bratislava Boys. Je m'en suis sorti avec une nouvelle vision de la vie, je le conseille à tout le monde. Votre vie va réellement changer en finissant le tome 3. J'ai miraculeusement une nouvelle voiture et une nouvelle villa. Bref, c'est ça qu'on veut. Voilà, n'hésitez pas si c'est le cas. Si vous avez pris sur les réseaux, enfin sur les réseaux, sur Amazon, etc. Et bah, let's go, mettre un commentaire une fois que vous l'avez lu. C'est ça qu'on veut, mesdames et messieurs. D'ailleurs, on vous prépare avec Max. Parce que c'est mieux avec Max. On vous prépare une série de dédicaces, ça sera pour la rentrée, septembre, octobre, novembre, décembre. On va vous préparer une belle affiche qui vous dit quand on est et où on est. On va essayer de le faire tous les deux pour vous dédicacer les BD tome 1, 2 et 3 de Miguel. Et à la question, y aura-t-il une BD tome 4? Je ne peux pas encore répondre, nous sommes en réflexion avec Max. Si oui ou non, on fait un tome 4. Dans tous les cas, avec Max, on a envie d'écrire autre chose ensemble aussi. Donc vous aurez quelque chose. Dans tous les cas, vous aurez de quoi nourrir votre 7 à 77 ans. C'est comme ça que je vois la BD, de 7 à 77 ans. J'espère en tout cas que ça vous plaira. Vous avez vu devant et derrière, il y a même écrit à Previously, tome 1 et 2. Il y a même mes réseaux sociaux. Je peux plus changer mon Instagram parce que AlexLeak Insta, c'est style sur les BD. Le Twitch aussi d'ailleurs, donc voilà. Bref, et ben, je suis très fier. Moi je suis très fier, je l'ai relu et fait rire ma fille. À chaque fois, c'est le pari est bon. Hein. Ma fille le lit, elle me dit j'ai adoré. Je dis bah voilà, fin de chantier. Fin de chantier. Je vous prends une page au hasard. Je prends une page au hasard. Voilà. Quand on vous dit que dans le tome 3, on est un peu partasse en couille, vous verrez. On est partasse en couille, bref. Est-ce qu'on peut tirer au sort la personne qui a gagné et me dire dans la modération qui a gagné? Et après j'ai un autre truc à vous montrer. Et après on va partir à la Mano Games, hein, parce qu'à un moment donné sinon ça va être la merde. Hein. Pendant ce temps-là, je suis en jeu, je viens de boire un Lemon Black qui vient sûrement de me sauver la vie. J'avais plus rien à boire. Quel enfer. Quel enfer. Alors, qui c'est qui a gagné? Ça a tout pété. Oh, vous avez tout pété? Mais non. Ils ont tout pété. Putain, ils ont pété le tirage au sort, c'est ça? Ils ont pété le tirage au sort. Je vous dis l'envers du décor, hein, je suis pas censé vous le dire, mais je crois qu'ils ont pété le tirage au sort. Monique, elle a dit quoi? Il n'y a pas eu assez de participants lors du giveaway. Ah oui, le bot a refusé. Comment ça? Le bot a refusé de... Mais c'est pas possible. Le bot ne peut pas refuser. D'où il refuse? Le bot ne peut pas refuser de... Je l'ai pas. Je l'ai pas. Bon, la modération, on va travailler là-dessus. Vous inquiétez pas, on va refaire un giveaway dans la foulée. Enfin, c'est pour le tester. Hein. Vous l'avez relancé, là? BD Miguel dans le chat. Allez, c'est relancé. Ok, impeccable. Nickel. Le bot, il a dit non. Le bot a dit non direct, en fait. Quel enfer. On est bon? Bon, le temps que ça tire... C'est bizarrement dit comme ça. Il y a Blo qui dit « Désolé les copains ». Mais c'est pas grave, le but c'est de tester ce bot. En fait, on s'en fout, c'est pas grave. Il n'y a aucune gravité, les gens rejouent. En fait, ça aurait été dur, tu sais, si quelqu'un avait été tiré au sort et qu'on lui dit non. Ça, c'est dur. Voilà. On va parler d'autre chose juste après. De la mise à jour du Click Games. Parce que je vous rappelle qu'il y a le Click Games. C'est un jeu que vous avez sur mon Discord qui vous permet... Alors, on va la refaire. On va vous réexpliquer, mais dans une seconde. Ne bougez pas, j'arrive. Bougez pas, vous restez avec la chaise, 2 secondes, j'arrive. Le temps que tout le monde arrive et que tout le monde joue à BD Miguel, j'arrive. Bougez pas. Attends, je vais la mettre là. Je vais la mettre ici. Est-ce que c'est bon là si je la mets là? Voilà. Bougez pas, j'arrive. Hein. C'est bon, t'as pas bougé? Ah, c'est bien ça. Fier de toi. Est-ce que c'est réparé, la modération? Est-ce qu'on peut tirer au sort? On est bon, après je vous parle du click game, c'est après on va en jeu. Ah, c'est encore cassé? Ah bon, bah alors, ils ont tout pété. Ouais, voilà, envisager de le faire le tirage au sort avec d'autres moyens. Bon, pendant qu'ils essayent de réparer ça, mesdames et messieurs, rappelez-vous, on a lancé les click games. C'est quoi les click games? C'est sur mon Discord. Vous avez le lien qui est juste en dessous. Et en fait, le principe est assez simple. C'est de pouvoir, à chaque fois, vous pouvez améliorer. Vous gagnez automatiquement 5 balles toutes les heures. D'accord? De base, tu gagnes 5 balles toutes les heures. Sauf que tu peux augmenter ton gain de pognon. Donc tu vas farmer pour avoir plus de pognon. Après, tu gagnes 10 balles à l'heure, 15 balles à l'heure, 20, 50 balles à l'heure, bref. Et à partir de là, tu rerolls. Et tu gagnes plus 5 balles à l'heure au départ, tu gagnes 6 balles à l'heure. Bref. Et en parallèle, quand tu as des sous, tu peux acheter ceci. Ce sont des cartes de collection, d'accord? Donc la première collection s'appelle Team Click. J'ai toujours pas chopé la prestige, puisque tu achètes avec l'argent des paquets de cartes, d'accord? C'est un jeu 100% gratuit, hein, je le répète. Donc en gros, avec ton pognon ou tu rerolls, pour aller toujours plus loin, parce qu'à chaque reroll, tu gagnes 10% de plus de pognon, ou tu achètes des cartes. Il y en a qui font les deux. Donc il y a une compète de ceux qui ont le plus de sous, ceux qui ont le plus de cartes et ceux qui ont le plus de reroll. Donc il y a cette première collection qui est sortie là, juste maintenant, et vient de sortir une collection, je ne l'ai pas encore, qui est la collection été 2023, et qui est disponible que pendant l'été. À savoir que pendant cet été, on mettra à jour une nouvelle règle du jeu, qui fait que si votre collection est complète, c'est-à-dire la prestige puis tout en légendaire, d'accord? Donc là tu vois c'est de l'épique, épique, et après je vais pouvoir les crafter pour faire des légendaires, enfin bref, là je pourrais d'ailleurs le crafter en légendaire je pense. Si tout est complet, tu regagnes plus de pognon. Voilà. La collection été 2023 n'est disponible que de l'été, donc à partir d'aujourd'hui jusqu'à l'été termine en septembre, le 15 septembre, le 20 septembre, le 21 septembre, bref, voilà. On va... Tiens, je vais acheter un, pour vous dire, je vais acheter des cartes, bouge pas, shop. On va acheter les cartes, comme ça vous allez voir en temps réel, je vais les ouvrir et vous allez les découvrir. On va voir ce qu'on trouve. Choisir le pack, je veux un pack été. Alors le pack été coûte plus cher. Hein. Le pack été coûte 500 balles. Le pack 1, il n'y a rien qui marche. Ils ont tout pété. Ah putain, il y a trop de monde qui joue. Ah bon, on a tout pété. Nickel. Attends, je retente. Il y a trop de joueurs en même temps. On a pété le bordel. Ah c'est bon. Nombre de packs à acheter, je vais en acheter 10. Envoyé. Valider l'achat. Hop, je vais tous les ouvrir. Et comme ça, vous allez découvrir ce qu'on a. Quantité de packs à ouvrir, 10. Comme ça, vous allez découvrir les premières cartes de l'été. Hop! Oh, c'est bien! Bon, pas de légendaire. Au premier opening. Un château de sable. Donc, vous voyez cocktail, coucher de soleil, et l'almano est caché partout. Voilà, il en manque une ici que j'ai pas. Voilà, ça c'est le petit jeu sympathique, mesdames et messieurs. Si vous voulez y jouer, n'hésitez pas, amusez-vous, c'est rigolo. Voilà, c'est le petit truc créé par les modos pour vous, et c'est plutôt fun. Voilà. Est-ce qu'on est bon sur le tirage au sort ou toujours pas? J'ai plein de 10 gold, j'ai toujours pas de 100 gold, j'ai toujours pas de multiplication des gains passifs. Putain, je suis vraiment un loser. Il n'y a rien qui va. La Team Click, je l'ai pas fini. Été 2023, non plus. On est dans la merde. Il va falloir que je crafte, par exemple, là, vous voyez, je peux crafter. Style celle-là, normalement, je peux en faire une légendaire, je vais vous montrer. Bougez pas. Donc les commandes se font sur le Discord. Hein. Donc si je fais ça, hop, et normalement, choisir la carte 1. Et donc là, normalement, pas du tout, c'est pas celle-là que j'ai fait. Il n'y a rien qui va. Le mec est à côté de ses pompes. Effet Bonaldi, rien ne marche. Ah, c'est que j'en ai pas assez. Mais c'est pour ça. Mais c'était sûr. Ah là là. Bon bah on avance. Hein. C'est 4 pour faire une légendaire. Quel enfer. Et si je refais craft, est-ce que j'en ai assez ou pas là? Mais non, pas crafty, craft. S'il te plaît. S'il te plaît. Je vais passer ma soirée à jouer. Enfin, j'ai plus de sous. Tu pourras refaire la commande dans une minute. Ok, très bien. On me dit quoi dans l'oreillette? On me dit bravo à Maliprin420 qui vient de gagner la BD. Ça a été tiré au sort juste là, maintenant, tout de suite. Maliprin420, bravo à toi. La modération va te contacter dès maintenant pour pouvoir savoir quel tome tu veux, le tome 1, le tome 2, le tome 3, les incroyables histoires de Miguel. Et ensuite... de savoir ton nom, ton prénom, ton adresse pour qu'on puisse te l'envoyer. Ça partira dès demain. En gros, on fait les envois tous les jours ou tous les 2 jours. Voilà, comme ça, c'est fait. Merci à la modération qui va mettre toutes les informations. Et à chaque fois, moi, je le remets par-dessus. Mesdames et messieurs, c'est l'heure de la Mano Games. À quelle heure il est? 20h51. On est pas mal. On est pas mal du tout. Est-ce que ça, c'est prêt aussi de ce côté-là? Attends, il est professionnel. Alors, demain soir... il y a une réunion préparatoire à la Crimi V4 avec tous les criminels. Donc on ne la live pas. Cependant, dans ce cas-là, si on finit pas trop tard, eh bien il y aura live. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc si ça finit pas trop tard, il y a live. Sinon, il n'y a pas live. On se retrouve vendredi. On fera du Diablo avec les copains. On va essayer d'avancer parce que je suis méga à la bourre. Mesdames et messieurs, on y va. C'est parti. Ah la musique, que se passe-t-il? Rien à voir, mais demain, je veux encore plus de commentaires sur Amazon. S'il vous plaît, merci. Non mais Zach, avoue que tu veux les fouiller au corps, après c'est pas très grave, t'inquiète. Spécialement. Bonsoir. Bonsoir. Il arrive et il veut fouiller des gens encore. Si les gens des Mano Games, tu veux les ken direct, ils arrivent, bim. Coup des kékettes. Ouais, voilà. C'est Zach. Zach en roue libre. Il veut fouiller son Zach, écoute-moi, t'es encore en roue libre? Non. Depuis cet après-midi. Il est totalement en roue libre. Full focus. Full focus sur quoi? Sur la roue libre. Bah les gens. Apparemment. Sur les roues libres? Non. Non, quand même si. D'accord. J'ai fait plein de frigos, je sais pas si t'as besoin. Nickel, parce que sinon je vais crever. Je suis comme au niveau bouffe, j'ai 3 sushis et pas à boire. Nickel. Ouais, alors... Ah, je vais quand même regarder si j'ai un dernier client juste avant la fin de l'horaire. Merci. Qu'est-ce qu'il fait? Ça fait 40 minutes, enfin pas 40 minutes, ça fait 30 minutes qu'Hannibal il dégage tous ceux qui arrivent trop tôt là. Il y a du monde depuis 30 minutes, c'est ça? Ouais, il y en a certains, oui, il n'y a pas d'autres femmes. On a 14 participants, boss. 14 participants, ça c'est chouette. Il manque quoi, mon hélico, non? Ou c'est bon? Non, mais on va aller à Sandy Shores. 3 x 4, 12. Mais en fait, on a un problème sur le saut en parachute, on se demandait s'il serait pas mieux de les déposer à pied comme la dernière fois, en haut du mont Chiliad. On peut. Parce que 14 personnes, ça va être compliqué à faire sauter en même temps. Bon, on fait les vérifs. Épreuve 1, course en vélo. Donc d'abord, on fait les points bonus. D'accord? Ils arrivent, on les gare en face, on les fait monter au truc de tennis. Premier épreuve, point bonus, arme. Chacun sort la arme la plus badass qu'il ait sur lui. Tous ceux qui ont des armes blanches, 1 point. Celui qui a un pistolet, 3 points. Ouais. Si quelqu'un me sort une arme style illégale, cran d'arrêt et tout, on met 2 points. Ok. D'accord. Est-ce qu'on les cumule les points, genre s'ils ont couteau et 9? Bah c'est la question, si le mec il est surarmé, mais est-ce qu'on fait pas qu'un seul? Ouais, qu'un seul. On fait juste en fonction de ce qui sort en fait, simplement. Ensuite on fait les points bonus véhicule. Donc si il a pas fermé son véhicule, plus 1 point. Donc ça faut le faire au moment donné où on revient ou avant? Parce que ça la question c'est... Il faut qu'on sache quel véhicule est à qui en fait, donc... Bah, en redescendant, un par un? Ils redescendent un par un? Oui, quand ils vont redescendre pour aller à l'Unive. Ça sera le truc des Hannibal, vérifier les voitures si elles sont ouvertes ou pas. Ah, tu me connais trop bien. Donc, première épreuve. Ils vont jusqu'à Unive à voiture. Ils déposent leur voiture là-bas, ils attendent. Ensuite, on leur demande de tous prendre un vélo. Ils nous rejoignent. On a dit un point pour décollage en hélico. Donc, c'est... Décollage hélico Sandy Shores. Bah, le mieux, c'est l'aéroport de Sandy, parce que comme ça, ils peuvent rendre les vélos en même temps. Alors, notez qu'il est pour décollage hélico, aéroport de Sandy. Nous, à ce moment-là, toute la Mano va pouvoir bouger à Unive avec les 3 hélicos qu'on a là. Ok. Une fois qu'ils sont là-bas, à Sandy Shores, on note le premier arrivé, tralali, tralala, maquequette. Là, les hélicos décollent et déposent tout le monde en 10,87. Oui. Là, nous, on reste au sol, et le jeu, c'est qu'ils doivent sauter les 10,87 en parachute, puis crocheter une voiture, et aller jusqu'au point d'arrivée. Est-ce qu'on les fait vraiment sauter en parachute, ou est-ce qu'on leur laisse pas le choix de partir à pied, comme ils avaient fait au Manogame, ça? Bah, moi, en fait, les parachutes, on va avoir des blessés. Et puis, ils vont devoir faire la queue s'ils veulent sauter du point le plus haut de... En fait, il faut leur laisser le choix. Il y en a qui ont déjà demandé aussi à s'acheter un parachute, donc on sait qu'il y en a qui n'ont jamais sauté en parachute. S'il y en a qui veulent sauter en parachute et qui veulent gratter du temps, bah tant mieux. Voilà, c'est ça, on va faire ça, c'est bien. Moi je pense que c'est ça. Et s'il y en a qui veulent redescendre à Yep ou voler un truc sur place. Là on parle des 10,87. Donc là c'est 10,87. Ok. Le point d'arrivée c'est le début de la course d'orientation, donc c'est le 101,07. Ouais, du coup, à ce moment-là, nous, on a nos 4 hélicos qui seront prêts pour redescendre là-bas avec l'hélico de Kim où nous, on sera dedans pour suivre la course. Ok. Course d'orientation. On bascule là, après, à la course d'orientation. Donc déjà, il y aura des points démarqués. À la course d'orientation, et il débarre en 10,107. Je le fume maintenant? Alors lui, par contre, ouais, il va dégager très vite. Ah, je crois reconnaître le contender, non? C'est Lino, ça? Ouais, je crois que c'est Lino. Ouais. Bah, déjà, c'est moins 1 point. Non, mais j'aurais voulu savoir qui c'était. C'est Lino, c'est sûr. Il est 20h59 en même temps pour qu'on s'énerve. Parce qu'il rentre pas dans la villa normalement. Enfin. Bon. Donc il est 20h59. Il va en 11,05. Donc la première info qu'on donne, c'est 11,05. Qui sera en 11,05? Alors on a déjà fait la répartition. Bah, vas-y, Pompon, c'est toi le responsable. Okay. C'est Jade et Hannibal, ouais. Ensuite, 20,58, Chris et James. Oui. C'est ça. 121, ça sera Alexis et moi. Alexis et Zach. Les Mads, alors les Mads, par contre... Je les ai au téléphone, ils attendent ton coup de fil pour... Okay. Et comment on sait qu'il s'est pointé? Quelqu'un sera au téléphone avec les Mads pour noter? Mais en fait, c'est ce qui me paraissait compliqué, donc... soit on met un hélico à nous là-bas... Quelqu'un m'a transmis des messages... Ah ouais, j'ai eu Ellie aussi. Ok. T'as eu Ellie? J'ai eu Ellie, elle veut te parler, je lui ai dit que ce serait compliqué ce soir. Ouais, je vais l'appeler. Il faut que j'appelle Karl ou Jean à cette heure-là? C'était Karl. Et 21h, je l'ai fait rentrer sur le parking. Ouais, s'il te plaît. Est-ce que l'un de vous peut prendre un match au téléphone? Bonsoir. Salut Karl, ça va? S'ils ont une radio, on peut le mettre sur notre radio, une radio spéciale. J'ai appelé parce qu'on organise Monogame C. Et on se demandait si on pouvait voir un peu s'ils avaient des couillasses en face et envoyer des gars, voir s'ils rentrent chez vous pour dire excusez-moi, je cherche mon prochain point, comme une course d'orientation. Voilà. Et après, vous demandez à chacun de vous payer. D'accord. Bah, il arrive, vous mettez un montant pas des merdes. Pas dégueu, mais pas fou. Style, je sais pas, 500 balles. ou 1000 balles, je sais pas, que ce soit achetable, mais pas trop. Donc en gros, s'il n'a pas les sous, tu dis, bah moi je te le vends, c'est 500 balles. Mais qu'il l'a pas, bah non. Voilà. Et donc, en gros, vous leur donnez le point d'après. C'est envisageable ou pas? Oui, oui, bah, vous pouvez appeler Jean, il est Ah, mais il est là, Jean. Oui, l'armée patriotique. Bon, bah j'appelle Jean, super, merci. Oui, bonne soirée. Ah, mais Jean est là, mais quelle dinguerie. Au pire, on a besoin de verrouiller le point là-bas. De toute façon, ils seront obligés d'y passer, toi. On s'en fout de pas cocher. J'ai les mal. Salut Jean, ça va? Ça va et toi? Alors, impeccable comme un lundi. Je vais pas te mentir que si ils se connaissent. J'appelle parce que c'est un peu les. Oui, je sais, mais c'est pas grave. Comme c'est un peu la folie, je fais vite, je suis désolé. J'organise les Mano Games et on trouvait ça chouette d'envoyer les gars qui font les Mano Games par chez vous pour demander une information. Ok. Ils sont 14. S'ils payent tous 1000 balles, ça fait 14 000 balles pour vous. Ok. C'est pas mal, non? Ouais. Après, s'il paye 2000, ça fait 28, quoi. Bah, 2000, c'est bien. Ouais. Ouais. L'idée, c'est qu'on convient d'un montant et voilà. 2000, c'est pas mal, non? 2000, c'est bien, ouais. C'est quoi l'info qu'on doit leur donner? Et bah, où ils doivent aller après. Donc, en gros, le mec, il va arriver et dire, excusez-moi, je cherche une info. Tu dis, ok, t'as 2500 balles ou 2000. 2500, c'est bien, hein. x4, x10, ça vous fait déjà 25 000 balles. 2500, ouais. 2500, ouais. Voilà. J'aime bien quand on monte comme ça. Et ben, on fait ça. 2500 balles. Donc là, en fait, vous dites, et t'as 2500 balles? Mais qui dit bah non, bah va chercher des sous. Et ceux qui ont 2500 balles et qui vous les donnent, vous lui dites ton prochain point c'est la Villa Mano. Il faudrait qu'il m'envoie par SMS le numéro du mec. Voilà. Ça commence à 21h, c'est-à-dire il y a 2 minutes? Oui, non mais vous avez le temps, ils sont pas chez vous avant 22h30. Ah nickel, ouais, parce que... Et dans l'idéal, il faudrait qu'à chaque fois vous disiez comment tu t'appelles toi? Et il va dire je m'appelle numéro 3, numéro 7, numéro 6, d'accord? Okay. Et il faut vous envoyer, l'un de vous envoie Alan à chaque fois qu'il y en a un qui a eu l'information. Donc, par exemple, je dis numéro 3 vient de passer le... Ou même pas, vous envoyez à Alan 3, puis 6, puis 7. Voilà, c'est l'ordre des passages. Okay. Après, si les mecs, ils arrivent comme des connards, c'est bon, ça va aussi. Donc l'idée, c'est ça. Ils arrivent chez vous, ils disent, excusez-moi, je voudrais l'information. Bah, c'est 2500 balles. S'il peut payer... Il rentre pas. Bah, il rentre pas. Jimmy qui est rentré. Bah, il rentre pas chez nous. Bah, il faudrait que vous envisagiez de foutre quelqu'un devant, parce que c'est abruti, sinon ils vont rentrer. Ah bah, ouais, bah, ils rentreront pas, ouais, ça c'est sûr. Ah, on est d'accord. Bon, pas de souci. C'est bon comme ça? C'est bon comme ça. Allez, super. Je vous préviens, je vous envoie un message quand ils sont à 2 doigts de partir direction chez vous. D'accord. Ok. Parfait. Allez, à tout à l'heure, Jean. Merci. Pas de souci. Merci. Les maths, ils vont se faire 2500 balles direct. 25 000 balles. Allez, hop. Qui fait la répartition des kits? Bah, on va tous mettre dans une voiture et 2 par personne et puis basta. On les file maintenant ou on les file après? Non, tu vas les mettre dans la voiture quand tu vas vérifier s'ils sont fermés ou pas. Ah. Ok. Et comme ça, tu sauras qui est à qui. Ah, mais j'avoue, si quelqu'un a fermé, pas de kit. On est bon? 2 kits portés. Il faut que je l'appelle Ellie. Il y a un gars qui m'a appelé à envoyer un message. Bonsoir, j'ai un mal de crâne, mon retard est-il éliminatoire? Non, non, on attend. Au moins, il prévient. Bonsoir. Madame Ellie, comment ça va? Ça va bien, et toi? Il va toujours bien, les gars qui m'a dit qu'il allait me ken. Il a dit te ken? Comment ça? Ouais, ouais, je sais pas, celui qui avait la voix, là, il était chaud du cul en mode. Quelqu'un chez moi? Ouais, ouais. Je suis passé hier juste pour dire c'est quoi cette histoire. Ouais, je suis passé au quartier, j'en ai vu un, il était chaud du cul. D'accord. C'était une dinguerie. Je suis juste venu pour dire qu'est-ce que c'est que cette histoire. J'apprends que ton numéro 2, vous êtes censé taper sur les ghosts, et ton numéro 2, il discute la bavette en mode il est meilleur copain avec la chef des ghosts. Tu parles de ce qui s'est passé sur le champ au niveau de la montagne? C'était quand? C'était jeudi soir, je crois, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, ce qui s'est passé en fait, c'est que mes gars se sont retrouvés, ils étaient que 2 sur le champ, moins armés, dans la voiture des gosses, ils étaient plus nombreux, et du coup, mes gars ont préféré aller jouer plus cool pour pas se faire allumer, et ils ont discuté en fait de l'agression de la veille. Plutôt que de se calmer ou de se barrer, ils ont préféré discuter en mode des... Vas-y mon copain. Non, ça c'était de la merde, mais du coup, comme les autres avaient plus de puissance sur le moment et la meilleure situation... Ils ont préféré rester sur place et ça parlait en fait. On a fait une tentative de braquage la veille. Moi je comprends pas, je comprends pas comment on passe de on est super chaud pour taper sur tout ce qui bouge à tes gars qui me disent oui, mais tout est compliqué. Et puis ils me disent oui, mais comme notre chef est pas là, c'est compliqué chez nous. Et j'ai pas compris qu'est-ce qu'ils m'ont dit. C'est bizarre ça, parce que concrètement ce qui s'est passé, parce que ils m'ont remonté ce que je leur avais dit, etc. Je vais te dire clairement, hein, pendant la course aux champis, on a tapé sur tout ce qu'on pouvait taper. On a tapé les vagos qui faisaient leur banque, on a tapé les ghosts à 2 reprises, malheureusement avant qu'on mette en place le deal. Donc c'est pour ça que je voulais appeler ce week-end, parce que ça me pétait les couilles qu'on ait conclu. une sorte de prime aux ghosts et qu'au final, bah, on n'arrive pas à les choper. Ça casse les couilles parce qu'on a convenu d'un agrément et au final, on a fait deux tentatives ratées, donc bah, on va pas s'en vanter. On fait deux tentatives ratées pour notre client. Non, c'est sûr parce qu'il avait un mal de crâne. C'est pour ça que je voulais en parler. Ah ouais, non, non, mais voilà, moi j'essaie de les comprendre un peu. C'est pour ça que je suis passé, t'es pas véhément non plus. Bah oui, non, il n'y a pas de souci. Après, on avait des armes en main, mais ces gars, ils étaient en mode ah, des armes, on connaît pas ça. Je dis, gamin, va ils peuvent être bien chauds. Je sais pas si t'avais vu passer d'ailleurs ces petites annonces sur la fusillade de Vagos. Ça a été un sacré festival. Non. Et... ouais, non, c'est mon père, ok. Bref, bon, je dois te laisser, j'organise Women Games. Ouais, j'ai vu ça. Bon courage. Merci. Et on s'y en courant, vous me direz si jamais il est possible de commander ou pas. Allez, pas de soucis, on en parle demain. Ça marche. Allez, bonne soirée à toi. Blablabla, bla, suce mes boules, blablabla, bla, t'es super Miguel, blablabla, bla, on a fait notre possible, blablabla, bla, s'il te plaît, vends-moi des armes. En attendant, les Fox, ils ont réussi à nous ramener la voiture de Joyce. Ouais. Bref, on est plutôt carré là, on a plutôt tout ce qu'il faut. Il n'y a qu'un retardataire comme... Genre si on n'a pas un dehors. Et voilà, le retardataire il arrive quand là maintenant ou... Normalement il devrait arriver incessant sous peu. Et pour les maths, je contacte qui pour avoir le passage? Qui tu veux. Ils vont me les envoyer par à Alan. Ah bah impeccable. Comme ça j'ai pas besoin de me mettre là-bas, je me mets directement à l'observatoire, c'est ça? C'est pas observatoire, c'est Villa Mano après. Villa Mano, pardon. Ouais. On avait envisagé l'observatoire mais on l'avait pas fait. Du coup vous avez qu'une pause par hélico donc vous êtes tranquille. Ça roule. Mais faut que vous posiez pour qu'ils vous disent qui ils sont quoi, parce que sinon c'est la merde. Ok. Ah oui, mais ouais, mettez-vous bien à la Villa Mano pour bien prendre l'ordre de passage si des fois c'est serré. On se mettra là, on se posera, on se mettra à Yep. On est bon? Il en manque 3. Il manque 3? Moi j'avais juste en rouge Kev Bishop, tous les autres sont... j'ai validé. Kev Bishop il viendra pas. D'accord. Il y en a un qui a un mal de crâne mais j'ai pas plus d'infos. Ouais donc là il y en aura 13, donc il en manque 2. D'accord, bon. On commence ou on commence pas? À un moment donné, on a dit 21, c'est 21. Ok. Oui, voilà, on a des minutes de retard. On est bon. Vas-y. T'as vu, j'ai mis les costumes blancs. J'ai vu ça. Pour les grandes occasions. Je réfléchis à comment je vais leur dire bonjour. Salut, bande de salopes. Avec les tutos, avec la mano, on apprend en s'amusant. Paf, paf. Non? Putain merde, la rave party. Le shit. Ah ouais, ils sont beaux. La tenue c'est incroyable. Non, mais comme ça on les verra bien. Ouais, franchement on a un convoi pour faire une banque là. Non, putain, donne pas des idées comme ça. Tout le monde sait qui je suis? S'il y en a qui ne savent pas qui je suis, lève le main. Tu sais pas qui je suis? Nickel, casse-toi. Rentre chez toi. Ah, tu vois, ça égrime déjà. Rentre chez toi en courant parce que sinon on t'éplombe, connard. On sait qui c'est au moins? Pour les retirer de la liste? Ah oui, c'est pas bête que quelqu'un nous court après. Oui, oui. Oh ouais. Ça l'appelle là? Ça fait moins de direct. Ah, tu me diras, on pourrait appeler cela? C'est pas bête. Oui. Bon! Est-ce que tout le monde a compris que c'est pour envisager une place de recrutement à la Mano? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui. Nickel. Ils sont un peu cons d'ailleurs, les deux en bas. Ils auraient dû fermer leur gueule, tu sais. Ah, tu sais qui je suis, tout le monde fait oui, oui. J'ai aucune idée, Jean-Pierre, qui c'est, mais c'est pas grave. Bref, je vais faire l'appel. À partir de ce soir, vous avez plus des noms, des prénoms. Vous avez un numéro. Ce soir, si on vous demande qui vous êtes, vous répondez par votre numéro. Ok. Tom Miller. Oui. Pas là. Sébastien Chaud. Pas là non plus. Bah tu vois, on a peut-être les deux qui sont en bas. Ah si, c'est pas à gauche. N'hésitez pas à lever les mains quand vous savez. C'est toi, Sébastien? C'est moi. Numéro 2. Ok. Lenny Anderson. Pas là. Léon Dexté. Oui. Numéro 4. Agop. Numéro 5. Lino. Numéro 6, Paul. Numéro 7, Jimmy. Oui. Numéro 8, Jaden. Voilà. Francis. Là. Numéro 10, Aaron. Oui. Numéro 11, Shaw. Vous l'avez viré. Je l'ai viré, nickel. Noah. Oui. Numéro 13. Ok, pas là. Jacques. Numéro 15. Tout le monde a bien son numéro? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Nickel. Boss, on a Lenny qui vient d'arriver qui avait un mal de crâne. Ouais. Lenny, tu sais qui je suis? Non. Nickel, dégagé. Et encore. C'est quand même dinguerie de venir à un recrutement et pas savoir où on va. Tu vois ce que je veux dire? C'est son père, ça. Non, mais c'est incroyable. Il mériterait que je lui tire une belle balle dans la tête, même. Vas-y, flingue le chéri. Ah ouais merde. Oh, longtemps, j'ai pas utilisé mon couteau. Arrive. Allô, je suis où ici? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Fatigant, fatigant. Bon, bah, vous voyez, c'est écrémé. Alors, je vous explique. Ce soir, et uniquement ce soir, vous allez avoir une série d'épreuves. Ah, ça, c'est ma femme qui vient de flinguer quelqu'un. Les pauvres. Après, elle va les découper. Donc, vous allez avoir une série de 3 à 4 épreuves. Ça va vous demander de la jugeote, de la réflexion, de l'endurance, mais aussi de la course. J'en peux plus des voisins newsés. Vous avez tous des numéros à chaque épreuve. Vous gagnez des points. Celui qui arrive en premier gagne 10 points, celui qui arrive en deuxième gagne 9 points, celui qui gagne, etc., 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 etc. On va commencer par 2 épreuves bonus. Que chacun sorte une arme, la plus badass qu'il est sur lui, s'il vous plaît. Si vous n'avez pas d'arme, vous avez l'air con. Numéro 1, il est là? Tom? Non, il n'est pas là, lui. Nickel. Numéro 2? Nickel, qu'est-ce qu'il a? Un couteau. Notez. Numéro 3, il est parti. Numéro 4? Taser, monsieur. Taser, c'est comme un couteau. Numéro 5? 9 mm, monsieur, du meilleur vendeur de la ville. Nickel. Il vient de chez nous, celui-là. Exact. Il y a un bonus Usball, comment ça se passe? Non, mais il prend 3 points. 9 mm, il prend 3 points. J'en suis au numéro 6. 9. C'est aussi. Numéro 7. Un 9 aussi. Un 9. Numéro 8. Un PL, monsieur Miguel. Oh, ça mériterait un point de plus. Ça, c'est un PL. Non, 3 points. Numéro 10. Couteau. Un couteau. Numéro 11. Je n'ai rien. Non, de Dieu. Il a la bouche, un tatouage, mais pas des. D'accord. Numéro 13. Un 9 mm. Numéro 14. Il n'est pas là. Numéro 15. Il n'y a rien non plus, monsieur. Allez hop, 0 point. Il est là déjà, c'est pas mal, il sait comment je m'appelle. On peut lui donner un point pour son accent? Tu viens du sud de Los Santos? Je trouve ça très chantant. 15. Tu viens du sud de Los Santos? Ah oui, je viens du sud, pardon. J'adore. Au-dessous du film de pétrole, ça. Ah oui, mais du sud. Putain, mais je l'entends pas, moi. Ouais, non plus, ouais. Pardon, je parlais peut-être pas assez fort, monsieur. En montant ici, ouais, mieux. Qui a fermé sa voiture? Levez les mains ceux qui ont fermé leur voiture avant de monter. Eh oui, un seul. Il y en a qu'un seul? C'est qui? Oui, oui, il y en a. À la base, il y en avait 3. Mais les 2 autres se sont barrés. C'est quoi? Comment tu t'appelles? Numéro 5, monsieur. Bon, donc tout le monde marque un point, sauf numéro 5. C'est con, il vient chez nous, il ferme sa voiture comme si on allait le flinguer. Mais oui. Approche-toi. Tous les autres dans votre voiture, vous trouverez un petit cadeau. Gardez bien ce petit cadeau, il va vous servir. J'en avais toujours le chemin, merci monsieur. Épreuve numéro 1. Vous prenez vos voitures, vous allez jusqu'à Unive et vous rangez vos voitures dans le garage d'Unive. Exécution. Excusez-moi monsieur, c'est quoi Unive? Démerde-toi. Ok. C'est une dinguerie. On en a, c'est des déchets. Alan, on est d'accord qu'on en a, ils sont débiles. C'est style, vous savez qui je suis? Ah non, je sais pas qui vous êtes. C'est pas possible. Des brebis égarés dans l'eau. C'est une dinguerie. Et au pire, il pouvait gameball en mode vous êtes le boss de la Mano, et voilà, et ça passait. Mais c'est foncièrement de la game, de la merde. Au moins, ils ont été honnêtes. On peut pas le renlever. Oui, mais tu me voyais dire oh Bibou, tu peux rester avec nous, t'es honnête, enculé. Allez hop, on va Unive. Il faut Alan ou toi, chérie, vous pouvez aller devant pour la radio. Ouais, t'inquiète. On mettait déjà les équipes des points de passage dans les hélicos. Moi, j'ai pas mon hélico. On avait pas une radio mobile pour moi? Non, oui, si vous voulez, je vous en charge une. Ah, je veux bien, oui, merci, Jade. Comme ça, je peux pourrir tous les hélicos tout le temps, moi. Bah, du coup, je vais me mettre devant sur la radio de l'hélico, comme ça tu pourras être derrière avec l'autre. T'as fermé ton hélico, t'as pas confiance. Quand je fais le plein, je le ferme en fait, mon hélico. C'est compliqué. C'est quoi on a dit la radio, je me souviens plus. 486. Tu veux mettre celle des maths en même temps ou pas? Ah, vous leur avez donné une radio aux maths? Bah, je sais pas, je la vois de marquer, mais je sais pas si on leur a donné. Je suis pas sûr. Et voilà. Merci Jade. 486 on a dit? Oui. Et je vais monter avec Perroquet en attendant. Ouais, ça reçoit? Ah, c'est bon. 4. Et comme dirait Jean-Louis, c'est quoi une Unive? Non mais ça... T'as juste falloir qu'on fasse gaffe à 4 hélicos dans les airs. Ouais. À tous les pilotes me reçoivent? Tout le monde n'a pas mis la radio. Nickel, ça commence bien. Personne n'a mis la radio. En tout cas, ça suit. Personne n'a mis la radio. Je vais m'occuper d'aller la rappeler là. Hein. Ouais, il y a le jack en dessous, nickel. Ah, il y a les speedy aussi, ouais. Est-ce qu'ils vont me faire chier? Non, ils sont partis sur l'île Jack et tout. Bon, les flics, ils étaient au téléphone, j'aurais dit que... Ils évitaient de nous casser les couilles, normalement ils sont pas emmerdés. Normalement. Normalement. Oh, j'ai presque envie de faire une photo à Madame Hill. D'ailleurs, il y a les marshals ce soir en ville. Allez, salut, je vais me coucher. C'est les élections. Bah oui, c'est les élections. Alors ce qui est bien, c'est que vous êtes 10. Je sais pas ce qui a pu me passer par la tête. Mais je te promets que je vais trouver le meilleur psychiatre. Et il reviendra car souvent je crois. Si tu étais pas d'autre, il s'est pas entraîné, c'est ce qu'il y a de soucis. Qu'est-ce que tu sais, toi? Aïe, oh. Excuse-moi. Tiens, qui c'est les premiers devant moi là? Moi, Jimmy, numéro 8. Numéro 8, compte jusqu'à 120 s'il te plaît. Seconde après seconde, merci. À voix haute ou à voix basse? À voix haute. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est pas des secondes ça? 10. Numéro 8 est. C'était la moitié de seconde, oui. Des sacrées secondes. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi, 4 Mississippi, 5 Mississippi, 6 Mississippi, 7 Mississippi, 8 Mississippi, 9 Mississippi, 10 Mississippi, 11 Mississippi, 12 Mississippi, 13 Mississippi, 14 Mississippi, 15 Mississippi, 16 Mississippi, 17 Mississippi, 18 Mississippi, 19 Mississippi, 20 Mississippi, 21 Mississippi, 22 Mississippi, 23 Mississippi. Depuis ça un coup. Ça en fait Mississippi. 24 Mississippi, 25 Mississippi, 26 Mississippi, 27 Mississippi. Fais la suite dans ta tête. D'accord. Du coup, je reviens. Il y en a un qui s'est excusé. J'ai dit il a 2 minutes pour venir. Au pire, il n'aura pas les points des débuts. C'est lequel? C'est celui que j'ai failli planter ou pas? Ah non, mais il est déjà reparti lui, non? Oui, il a été trop vite. Bon, je vais vider un chargeur. Bah, moi, j'ai dit il a 2 minutes pour revenir. Il s'est excusé. J'aime bien les gens qui s'excusent. Mais il est là jusqu'à 120 Mississippi. Après, finit tous les Mississippi. On en est où, numéro 8 dans les Mississippi? 60. 60 Mississippi. Ah, il y aurait 60 autres Mississippi. Quand t'arrives à 100 Mississippi, il faudrait qu'on le sache. Tu vois, faudrait que tu refasses à voix haute. D'accord. Tout le monde est un parachuté. Oui, monsieur. Oui, oui monsieur. Oui. Non, monsieur. Non, monsieur. C'est con. Ça, c'est con. C'est con pour toi. Tout le monde a un peu de cash sur lui. Oui, monsieur. Ouais, monsieur. Oui, évidemment. Oui. Je pourrais leur piquer du cash. Parachute, tu l'aurais pas dit d'en prendre un, James? Normalement, ça dépend qui. À moins que j'ai oublié que c'est sur téléphone, mais normalement, la plus tard, j'aurais. 100 Mississippi, 101 Mississippi, 102 Mississippi, 103 Mississippi, 4 Mississippi, 105 Mississippi, 106 Mississippi, 7 Mississippi, 108 Mississippi, 109 Mississippi, 110 Mississippi. 111 Mississippi, 112 Mississippi, 113 Mississippi, 114 Mississippi, 115 Mississippi, 116 Mississippi, 117 Mississippi, 118 Mississippi, 119 Mississippi, 120 Mississippi. Merci numéro 8. Alors, première épreuve. Et l'autre, s'il arrive, tant pis pour lui, il court derrière vous. Première épreuve, vous allez louer un vélo. Juste à côté. Et nous vous attendons à l'aéroport des Sandy Shores. La ligne d'arrivée, c'est le hangar de l'aéroport de Sandy Shores. C'est clair pour tout le monde? Oui. Le premier arrivé à 10 points, le deuxième arrivé à 9 points, le troisième arrivé, etc. 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 Top! Boss, oui. Au niveau des tenues qui sont pas correctes, on fait comment? Oh, ça avait l'air tout ça pour que correct, non? Oui, c'est à peu près ça. Ah oui, d'accord, c'est les derniers arrivés qui chipotent. Toujours, hein. Bah, c'est toujours. Je demande, il y a un chapeau qui est pas bon. Ça me rappelle un truc, ça. Ah, moi aussi, ouais. Ouais, il faut qu'on se mette en route parce qu'ils vont tracer. Hein. Ouais. Allez, on y va. Et l'autre, on n'a pas de nouvelles, James? Je l'ai appelé, j'ai envoyé un message, il a jamais répondu aux appels. Tant pis. Très bien, tant pis pour lui. Est-ce que j'ai tous les pilotes? Attends, faut que j'attende. Faut que j'attende qu'ils montent en écho, je suis débile. Allez, pilote vert, ça m'écoute? Ok, pilote noir. C'est qui pilote? Le deuxième, c'est Jade. C'est Chris. Non, le... Chris, tu reçois? C'est James. Non, putain, je les appelle. James, tu reçois? Alors peut-être qu'il a pas... Ouais, je reçois. Ah, si. Nickel. Comme ça, au moins, on a tout le monde. On évite de se rentrer dedans comme des connards. Hein. Alors, ça m'arrangerait parce que moi, c'est pas un volet. Bah, je pense qu'ils ont déjà tracé. Hein. Oh la vache. Après, là, il y a moyen de couper hein, jusqu'à Sandy. Hein. Vous pensez qu'ils ont déjà passé ça? On va directement à Sandy Shores. Oui, Jade, je veux bien que tu t'atterrisses à Sandy pour prendre les premiers arrivés. Je pense pas en vrai. Hein. Là, en bas. Je sais pas si c'est le début de la course. Hein. Oh, il y a du monde là. Oh là là. Et... Oh, le peloton. Attaque en tête du peloton. Oh, j'ai pas pris mon porte-voix. Ah, on en a. Je peux faire un détour vite fait, hein, si tu veux, chérie. Hein. Non, mais. Ah, quoi que si. Oh, vite fait. Vite fait pour hurler sur des gens gratuitement. Tu sais où tu l'as mis? Chez nous, dans notre casier. Je vais chercher vite un 2 spi. C'est quoi? Je saute, bouge pas. Non, tu vas pas sauter, non? Pour l'instant, il y a 3 ex-échos, dont Jimmy. Hop là. C'est bon, je l'ai récupéré. Là, il y a moyen qu'on les rechauffe vers 5000 peut-être? Pour l'instant, juste avec les bonus... Les 3 premiers, c'est 6, 7 et 8. Lino... non. Paul, Jimmy, Francis. Voilà. vite à Sandy Shores, à l'aéroport. Et Moussaka sur la radio. Ouais. Comment ça, Moussaka sur la radio, il vous arrive quoi? Pédale, c'est le nom de mon hélico. Ah d'accord, moi j'étais là en mode Moussaka, ça part en couillette et on nique tout. Alors où est-ce qu'ils sont? Non. Je leur ai peut-être mis un ton moins calme. Non. Actuellement, on a les deux Swift et mon regard de sortie à Sandy Shores. J'arrive pas à savoir si c'est à nous en dessous. Ok, la question, ils en sont où les vélos? On a dû aller chercher mon porte-voix. Je sais pas du tout, aucun ne suit. Les autres hélicos, vous savez? Non, ils sont posés devant moi. Ah ouais, donc il y a vraiment que non. C'est pas grave, on va aller là-bas, on va voir qui arrive en premier. L'hélico vert comme... ah là, il y en a un là. Sandy Shores et le deuxième Swift noir aussi. Oh là, il y en a qui coupe là. Oh, ça coupe, ça va passer... il y en a un dans les montagnes, Dans les montagnes? Regarde juste en dessous, il a... Qu'est-ce qu'il a fait? Oui, il était dans les... En fait, il a pris la route, il s'est rendu compte qu'il pouvait couper, du coup il a fait du off-road. Ah oui, il a coupé, c'est ça, quand on est arrivé, il est en train de couper. Ça fait du vélo sur de la route des terres. Avec un BMX, ça passe, hein. On arrive, on est au-dessus de l'ancien champ des filles. Devant nous, là-bas, sur le chemin de terre. Ah ouais, je vois. Pas loin du tout, en fait. On doit voir les premiers, il arrive au niveau des campements et presque au sud de la piste. Non, encore devant. Encore devant, il y en a encore un, ouais. Ah, ça va, ça vous arrive, encore devant, encore. Ah oui, là, encore devant, il y en a un. Encore, t'en as un devant, là. Ouais, c'est vu. Il y en a plein, encore avant, même. Au bout de la piste, là. Ouais. Ça arrive sur la piste. Bon, tu vas pouvoir aller t'époser. Parce qu'il va bien falloir prendre dans l'ordre, là. Il faut bien prendre dans l'ordre, préparez-vous. Ça marche. Il y a Thiago qui arrive en voiture. Qu'est-ce qu'il court à pied là? Il y a un vélo qui arrive. Les pétateurs si vous voulez. J'allais voir Pompon. Moi. Faut prendre les numéros. C'est quoi ton numéro? Numéro 10. 10. 10. Okay. Est-ce que je range mon vélo ou ça va faire? Tu peux y aller. C'est quoi ton numéro, toi? Ça va arriver, c'est pas là. Combien? Non, le 5, monsieur. Le 5, tu vas ranger ton vélo. Dans le hangar. Ouais, bon, hangar. On est devant, hein, le shop là. Bah, il est là. La ligne d'arrivée, c'est le hangar. Non, mais c'est bon, c'est bon. Ranger ton vélo. Dans le parking ici. On est devant, là, c'est bon. Ok, 2. C'est quoi ton numéro? Numéro 13. Tu peux aller ranger ton vélo. Ils sont tous passés par là-bas en fait. Alors ça donne quoi? Bah j'ai mis les points. 10, 9, 8 pour l'instant. Ah, ça met tout le monde avec les cons pour l'instant. Alan, t'es Thiago. Il est où lui? Ah, il va où lui? C'est pas grave, il a écouté, on avait dit là-bas. Mais va me chercher un seul qui a écouté. C'est qui lui? C'est quoi ton numéro? Le 2. Et hola todos, bonsoir boss. Il me faut les numéros là du 2 là. Oh là là! C'est le numéro 2 qui est premier dans le hangar là-bas. Premier dans le hangar. Et le hangar c'est Yam. C'est qui et qui? Ouais. T'as donné ton numéro? Il manque 2 numéros là. Ok. Il en a creusé pas mal sur la route, il devrait pas tarder. Je sais pas, Hannibal est parti prendre le numéro là. Un 2 TS radio. Un 2 t'entends. Il y en a un qui arrive au bout de la piste là, j'ai l'impression qu'il galère un peu. T'as noté les deux d'après? 11 et 8, ça a été noté souvent. 6, 5, ok. Il y en a un autre là. Ils s'en battent les couilles. Oui, ils s'en battent totalement. Il y en a un autre qui arrive. Oh, ils écoutent. Il nous faut le chiffre de celui-là et il nous faut celui-là. Jimmy est arrivé. Il y en a un autre. où lui? Bah, je pense le rendre. Tu peux aller loin comme ça. Mais il aurait pas oublié de donner son numéro, lui? Il est con, il va finir dernier parce qu'il nous a pas dit qui c'est. Bah oui. Très bien. Il nous en manque 3. Je crois qu'il y en a 2, ils ont oublié de nous donner leur numéro, ils sont allés ranger leur vélo direct. Ouais, je crois bien, Lino était en BMX à James. Ah ouais? Mais je me suis bien dit qu'il y avait quelqu'un en BMX. Mais genre... Il y en avait 2 en BMX. Et ils sont pas arrivés derniers. Hein. Numéro 4, monsieur. Numéro 4. Donc il marque 3 points. Merci. D'accord. Et il nous en manque 2. Il nous manque qui? 7 et 15. Paul. Les 7 et les 15. Paul et chaque zone. On a combien de personnes en face de nous? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et il y en a pas. Il en reste combien en tout là? Bah, il nous en manque 2. On est censé en avoir 10, donc il y en a un, il a jamais dit qui il était. Ah ouais. Il y en a un, il a pas marqué. Il y en a 2 contre 3 points. Ça y est, ça y est, il nous en manque plus qu'un là. Il y en a 2 contre 3 points. Ah. Et bah 15, il doit pas avoir 3 points, il doit avoir 2 points. Oui, c'est le dernier. Et donc il ne manque plus que Paul là. Attends, je le modifie. Tu fais? Il nous manque Paul. Moi je sais pas qui c'est Paul. Bah c'est numéro 7. Il est mort. Il est peut-être mort. Ouais, numéro 7 est mort. Il n'y a pas numéro 7 ici. Il n'est pas encore arrivé. Il y en a 9 devant nous là. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, il en manque bien. Hein. Vous voulez que j'aille vite fait checker si je le trouve pas? Oh non, ça me bat les couilles. À un moment donné, c'est la vie. On attend un peu, s'il n'est pas là, on part sans lui. Ça se trouve, il est en gare à l'aéroport du Sud. Alors, ça serait très drôle. Et le boss a dit Sandy Shores, donc... Bah, oui, mais ça veut dire qu'il n'a pas écouté. Et déjà, moi, je suis désolé, les 2 premiers qui n'ont pas écouté, c'était le hangar. Et il y en a où, alors, il s'est juste fait faucher par une voiture. Ce qui est fort probable. C'est la vie. Il y en a un de vous qui vienne vers moi. Voilà, un seul. Tiens, celui avec la tête des Vasicônes, 120 Mississippi à haute voix pour tout le monde, merci. D'accord. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi, 4 Mississippi, 5 Mississippi, 6 Mississippi. C'est ce qu'il fait comme on part ou pas. 8 Mississippi, 9 Mississippi. Moi, je vais pisser. 11 Mississippi. Ça me prendra à peu près 30 Mississippi. 14 Mississippi, 15 Mississippi, 16 Mississippi. Je serais lui, je compte très vite quand même. 18 Mississippi, 19 Mississippi. Il compte plus l'anneau? Dans sa tête. Ah ouais. Bah, c'est possible qu'il y ait un des... S'il crie, c'est dû lui dire ferme ta gueule. Non, même pas. Ah mais t'es là, putain. C'est qui est là-bas? C'est Thiago. Thiago a dû lui dire ferme ta gueule. Ah oui, je crois que Thiago il est au téléphone. Il est au téléphone, il y a moyen. Oui. Bon, du coup ça en fait moins à monter. Là, si on en a 9 à monter. 1, 2, 3, 6, 9. On est parfait, on monte tout le monde d'un coup là. En vrai, ça serait bien qu'ils viennent pas. Bah autrement on est obligé de faire un aller-retour juste pour le 10e. Bah en vrai non. Bah en vrai. Ils sont avec nous. Sur les 15, t'as dit... Ah oui c'est avec nous on a 2 places. On a une place donc 3, mais 3, non, 3, mais 3 oui, 9 mais et nous 1. Ah, non mais non, non, de toute façon... Et pardon mais moi... Non mais c'est bon, on a une place dans mon hélico. Mais non, 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 de toute façon on n'a pas assez de place, les 9 on est obligé de faire 2 allers-retours. On a que 2 places par hélico. Ah bah oui je suis con, oui, vu qu'on fait les trucs en hélico. Ouais. Oui Milo. Bah sinon, celui... Ah. On laisse des manos ici, le temps qu'on passe à l'aéroport Sandy Shores. Ouais, vas-y, on t'attend. Ouais. Vas-y, mais il y a Milo qui arrive, ça va être notre timer. 101 Mississippi, 102 Mississippi. Après, 104 Mississippi. 106 Mississippi, 107 Mississippi. Alors, je voulais pas manquer de respect animal, mais t'as mis 40 Mississippi. Ouais, je sais, ouais. 112 Mississippi. Il y a une goutte qui voulait pas tomber. 114 Mississippi, 115 Mississippi. 116 Mississippi, 117 Mississippi, 118 Mississippi, 119 Mississippi, 120 Mississippi. Ouais, il compte bien. Je fais des signes. C'est bon, tu peux retourner à ta place. Ok. On est bon? Allez. On attend Milo? Milo est en train d'arriver, ouais. Oui, mais de toute façon, il nous faudrait un aller-retour, non? Ouais, ouais, on peut commencer à démonter. Allez, on range tous les vélos et on se prépare. Donc, putain, les hélicos, vous les déposez en haut du Mont Chiliadet. 10,87. Ah ouais. Elle est chambée. Hein. On ne pourra jamais poser les trois d'un coup. Hein. Mais toi, t'as un. Wow, non, mais on fait des allers-retours, faut que vous faites déjà un premier. En gros, vous faites les allers-retours et ensuite, de toute façon, il n'y a que moi qui me poserai, vous resterez en l'air pour le début de la course. Ok. Ok. Allez. Nickel. Deux avec moi. Écoutez, mais je suis d'accord. Alors, vous allez déposer un hélicoptère quelque part. Une fois que vous arrivez sur ce quelque part, vous attendez là-bas au quelque part. En gros, vous emmène quelque part et vous attendez au quelque part. Ok. Compris, compris. Ok. Allez, venez avec moi. Zach, viens. Allez, deux avec moi. Montez dans l'hélico à l'arrière, un de chaque côté. James, tu viens? Antibiotique, non? Je sais pas, fièvre. Ah, antidouleur du coup. Nique-toi, à chaque fois je me trompe. Je bouffe trois fois les trucs. La chiasse antidouleur, la fièvre, enfin la chiasse antibiotique, la fièvre antidouleur. Ça se passe presque trop bien. Hein. Bon, on en a quand même perdu. Hein. On en a 9 et on en avait 15 au départ. En vrai, on a quand même déjà perdu 6. Oui, il est vrai. Bon, on voulait faire une finale au final. Ils vont la faire tout seul. J'avoue, il n'y aura pas besoin de finale, il n'en restera plus qu'un. Mais oui. On va faire l'épreuve des poteaux à la fin, puis voilà. Oh. Il y a des poteaux à Saint-Denis-sur-Orne. Oh non, imagine, c'est le dernier qui fait pas une Thiago à gagner. Mais pourquoi il monte à 3 Mano là-dedans? Je sais pas. Pourquoi il dépose pas? C'est pour déposer un minimum de monde. Jade, vous voulez pas déposer du monde plutôt que de monter à 130 Mano dedans? Ah, oui, bah si vous voulez, moi je me nettoie juste mon hélico. Allez, il y en a deux qui montent là-dedans là. Est-ce qu'il va y avoir besoin que je refasse un autre aller-retour ou pas? Affirmatif, il va falloir un autre aller-retour, on en a encore 3 à monter. Ok, je peux prendre les 3 derniers au pire. T'as laissé du monde à nous là-haut? Hannibal peut monter du coup. Je vais laisser Zach. De toute façon, il va falloir faire des allers-retours parce que... Il y en a 3, on est 4 et Milo qui arrive, donc on est donné... Au départ, il faut leur dire interdiction de prendre les motos qui sont déjà sur place. Oui. Fais gaffe, on est en train de monter, nous. Bon, ça va s'allumer d'entrée. Mais Milo. Ah, mais c'est une panthère! Non, c'est Milo. Non, c'est la Z de. Pas une panthère? Non, c'est 300R la nouvelle, là, ou je sais pas quoi. Mais c'est un des nouveaux véhicules en tout cas. On a déjà on en a parlé. La panthère et les petits pharaons en plus devant, je crois. Salut Milo. Et bonsoir Milo. On a besoin d'un autre aller-retour ou pas? Alors, je confirme un autre aller-retour s'il te plaît. Bon, les hélicos se posent, tu veux que nous on prenne... on décolle? On va faire ça, ils vont récupérer du monde là. Waouh! Vous pouvez confirmer, boss, je confirme qu'on va avoir besoin d'un autre hélico des plus, il y a Milo qui vient d'arriver. Thiago, va dire aux 3 qui montent dans l'hélico là. Ça va. Ça marche, on arrive du coup. Ça c'est bon, et l'autre hélico arrive? Il arrive, il est en route. Ah, j'ai tout le monde, je décolle. Quelle organisation. Et Thiago, Milo, vous avez un hélico qui arrive vous chercher. Ça marche. Yes. Et on se retrouve là-bas. Chris, t'auras Thiago et Milo récupérés. C'est bon pour toi, Chris? Reçu pour l'hélico de Chris. Nickel, il était en train d'atterrir. On est pas mal, hein? Ouais. Par contre, ils vont sauter des nuits. On va voir s'il y en a qui veulent sauter en parachute. Il y en a qui veulent faire une ZAC. C'est Paul qui est pas arrivé? Ouais. Bah, on va le mettre éliminé. vrai, si on l'a pas vu, bah, c'est fini. De Alexis, j'arrive en haut du mont Chilade, là. C'est reçu. Pareil pour nous, on est en route. Il faudra que je les laisse déposer. D'accord, oui, mais les récupérer. On a 3 agricoles. Ouais, on arrive. Il n'y en a plus besoin, il n'y en a aucun qui se pose après là. Celui qui revient, il n'y a personne dedans. Non, il reste. C'est que de la mano, ouais. Chris, vous resterez en l'air, vous, de toute façon. Tu veux que je me pose où, chérie? Pose-toi où tu peux. J'ai mis de la place pour qu'on puisse atterrir par là, les gars, là. Mets-toi à ma droite, perroquet. Ils sont en ligne et tout, c'est incroyable. Mets-toi à ma droite. On a un mano au sol, par contre. Mais il pourra monter avec nous. Ouais, il pourra monter avec nous, on a une place. Alors, écoutez bien parce que je le redis pas. Vous avez tous un kit décrochetage. Oui, monsieur. Vous allez faire une course qui part d'ici. Vous ne pouvez pas prendre... Il n'y a pas les motos là? C'est bon? Il n'y a pas de moto et Alan? Non. Non? C'est bon. Impeccable. Vous partez d'ici et vous allez aller votre point d'arrivée. Votre point d'arrivée, c'est le 101-07 ou 10-107, comme vous préférez. Vous pouvez partir en parachute si vous ne voulez pas gagner du temps, ou bombarder à pied d'ici pour récupérer un véhicule et vous rejoindre là-bas. Le premier qui arrive gagne 10 points, le deuxième gagne 9, etc. etc. Si vous n'arrivez pas dans les temps que tout le monde est arrivé, vous serez comme numéro 7 juste avant, éliminé. Sauter en parachute peut vous faire gagner beaucoup d'étain, mais si vous vous foirez, bah c'est éliminé. J'oublie un truc, Alan? Tout bon. On est tout bon. Top! Ça sent le parachute à droite, regarde, ça part, ça part. Non, ça va pas, parachute. Si, oh, y en a un qui à droite là. Oh, ça, ça va s'écraquer. Ouais. Faut qu'on décolle, on décolle. Non, je suis avec Alexis, t'inquiète. Ok. Il y a 2 personnes qui tentent le parachute. Vas-y, on peut décoller. Et 2 parachutes ouverts. Oh oui, il y a des parachutes. Oh, ils sont chauds. Il y en a un à gauche, il a sauté à gauche, regarde. À gauche. Il a pris. Ça, lui, c'est un putain de génie. Oh là là! Tenté par derrière, par de l'autre côté, 2. Ah, c'est génial ceux qui font par les lacs. Oh, je savais pas qu'on pouvait sauter de là. Moi non plus. Ah, mais là, ils peuvent arriver à Sandy, là. Regarde derrière nous, il y en a 2 qui ont sauté là aussi. Ah, ils tentent tous le coup, hein. Oh! Ah, ça, j'aime. Bah, ils se disent tous que si tu risques pas, t'as pas. Attention à tous, des pas volés trop près des parachutes, s'il vous plaît. Ouais, il n'y a pas de souci. Et en vrai, il y en a qui vont chercher sur la chemin de terre qui est en bas, je pense que c'est une très bonne idée, il y a beaucoup de circulation. Par contre, ce qu'ils savent pas, c'est que les véhicules, ils vont se trimballer jusqu'à la fin. Et en vrai, c'est pas con de partir par les taux, t'as les véhicules aussi. Hein. De Jade, je décroche pour aller faire le plein Sandy Shores, je suis rentré en jaune. De Alexis, pareil. Qu'est-ce qu'on fait s'il y en a un qui vient avec un véhicule pas crocheté? On accepte, hein. Le mec il a volé, il a braqué un civil, il a pris une meilleure voiture. J'ai dit, et vous pouvez. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Aucune règle. Ok, ouais, nickel. On me dit s'il y a des parachutes autour? Non, mais là, je pense qu'on va commencer à avoir du mal à les voir. On est comment au niveau essence? Non, moi je suis presque full. Après le temps qu'ils arrivent à 11h07... Il y a un vol de véhicule juste en dessous de nous là. Franklin Nixon derrière nous, je sais pas, ça vole. Ouh. Ah non, c'est le pilote. Oh, oh l'autre il s'énerve. Il est pile en face de nous aussi là, hein. Ouais, ça vole aussi devant nous, un sans kill Nixel. Ouais, mais je pense que c'est vraiment le bon call de venir ici là. Hein. Oh, ah bah il parlait une portière déjà. Oh le sans kill il se fait défoncer. Et le sans kill il va galérer sur la cour d'orientation. Après ils ont plusieurs. Déjà un véhicule de volet. Perroquet, t'as appuyé sur la radio. Deux véhicules. T'es sur la radio aérienne. J'ai pas la radio aérienne moi Alan. Non 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 monsieur, j'en suis. Ça prend direction stab. Bon en vrai on peut... Tu veux pas qu'on envoie un hélico à la radio ? J'ai coupé la radio aérienne. Alors mauvais SMS c'est peut-être pas le bon... Zip du vol de véhicule que me demande Zach. Oh quoi? Zach me demande le zip du vol du véhicule. Non mais on s'en bat les couilles, pourquoi? Bah je sais pas. Hein. Pourquoi le zip? Zach, pourquoi il veut le zip du vol de véhicule? De Perroquet et Jade, on redécolle. Donc c'est quand même plus pratique pour moi que ça passe par la radio. Oui, alors Zach a envoyé un SMS à qui, mais je lui ai dit qu'il était peut-être en train de piloter. Non, c'est juste pour qu'on puisse suivre le début de la course aussi. Ou alors le mec qui est parti, on n'arrive pas à le suivre. Hein. Je pense qu'on va tous aller tranquillou, un 101 et... Ouais, faut qu'il y ait au moins un point d'arrivée. Je vais peut-être faire le plein pour sécure. C'est le plein tranquillou. Il y a un hélico qui va vers l'arrivée là déjà. Je crois qu'il suit déjà. Nickel. Ouais, d'Alexis je me dirige aussi. Ok, on fait le plein et on rejoint. Je pensais pas qu'il y en ait autant qu'elle allait tenter le saut en parachute. Hein. Ah, moi non plus, en vrai. Donc là, direction les docks. C'est la première fois qu'on fait un truc où tu se passes sans problème comme ça, c'est bizarre. Pas la poisse comme ça là. Alexia ah si, il faut qu'il ait la force. Il y a forcément un écho qui va exploser si tu dis ça. Bah oui, faut qu'il fasse des choses. Hein. Comme ça c'est un peu con mais... Alors, par contre, ce que je peux faire. Oh, Perroquet, tu veux pas pousser ta queue de là, là? Titre? Oui. Et qu'on peut peut-être se mettre. Là. Pour les voir arriver. Je sais pas si on peut se poser sur le bâtiment. La question que je me pose, s'il n'y a pas un toit où je peux me poser. J'ai l'impression que si on me pose sur celui derrière, je sais pas si on verra grand chose. Après, il faut mettre sur le parking. Hein, mais c'est pas très plat, le parking. Ah, oula, oula, ça arrive vite ça. Ah bah... Ben voilà. On t'a pas entendu sur la radio si jamais. Fréquence répétée. Au moins un voire deux véhicules qui arrivent pleine balle. 5 lignes. Troisième. Messa en premier. Non mais c'était un Messa du coup. Ouais c'était un Messa. Ça manque de l'esprit quand même. J'avoue pour les vols de voiture... ouais. Ils m'ont appelé, m'a dit si vous voulez on est 39 à pouvoir participer sur ça. Je pense que ça voulait dire qu'ils avaient beaucoup de monde en, en service. Mais avec les élections ça m'étonne pas en vrai. Encore un véhicule qui arrive plein bas, j'ai la Granger. Un Granger qui arrive. Jimmy 3ème. Premier, Francis, deuxième, Agop, troisième, Jimmy. Jimmy, il est dans les trios. Trio des points. Pourquoi c'est pas coché quand ils arrivent? Ils ont pas encore fait l'appel? Non, non, coché c'est la course d'orientation, on n'est pas encore sur la course d'orientation. Bah ouais, mais coché, bah si, parce que le point de départ, il faut, il y a un truc qu'on peut cocher. Oui, mais ça va être le départ de l'épreuve d'après. Hein. Là, ils sont en train de marquer sur l'autre onglet les scores. Ah oui, j'ai pas l'autre. Bah, tu peux les tout poser. Là, on a, de toute façon, on voit ceux qui ont pu faire très rapidement. Dans les 4 premiers déjà. Alors faut que je fasse gaffe, faut que je me pose, sinon on va me demander de bouger ma queue aussi. Titre. Ils sont parqués haut. À notre droite là. T'as les 3 hélicos. Ah ouais, ok c'est le jeu. Pour info, je suis toujours dans l'hélico si vous voulez communiquer avec en bas. Oh, on atterrit là. Oh, le mec a pas le temps. Non, j'ai vu ça, oui. Hey, tous par ordre d'arrivée, c'est pas bon. Nickel. Il y en a un que l'intelligence de demande s'il pouvait appeler son parachute dans du coup. Boss? Oui. Il y en a un qui vient de sortir d'IAV. Il s'est fait choper quand il a tiré une caisse au niveau de Unive. Bah, il peut encore rentrer. Okay. Il peut encore venir? De Unive? Ah, il arrive jusqu'à Unive, oui, il peut venir. Parce que, ok, ça marche. Il vient de quel? C'est qui? Mais c'est Paul Specter, c'est celui qui est... je crois qu'il est jamais... Ah, Paul, il est jamais arrivé à celle d'avant? Et ouais, bah, tu sais quoi? Dis-lui de venir. Ok, ça marche. Il part avec beaucoup de points en moins, mais on va le remettre, on va mettre à 0 points sur l'épreuve 1, et on va le requalifier dedans. Ok, ça marche. Alan, il y en a qui sont éliminés direct. Vas-y. Paul Specter, tu peux le remettre, oui, 0 points, et le remettre dans la course, s'il te plaît. C'est fait, je sais pas qui l'a fait, mais c'est fait. Impeccable, okay. Merci. C'est fait, boss. Et pourquoi on sait pourquoi il est pas arrivé? Il est en garde à vue. Il s'est retrouvé en GAV, ouais. Mais pourquoi? Sur la course de vélo? Et je sais pas, il a tiré une caisse, il s'est fait... J'ai pas compris. Pourquoi il a tiré une caisse sur un truc de vélo? Mais pour niquer tout le monde. C'est malin. Ah, c'est malin. C'est malin. Il a tenté de dire, moi, j'ai niqué, ouais, j'y vais pas en vélo, bam, je prends une caisse. On leur a pas dit d'arriver là-bas avec le vélo. Il est vrai, bien sûr. On leur a dit de partir en vélo, pas d'arriver en vélo, c'est vrai. C'est bien pensé, mais ça part sur la garde à vue. Nickel. Donc l'épreuve 2, Paul Specter, il prendra 0 points. Ça marche, je vais envoyer un message et lui dire de venir. Il peut faire la 3ème épreuve s'il veut, mais... Mais à ce rythme-là, on va faire la 4ème. Oui. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi rapide. Tant mieux, c'est bien. Il prend un truc à manger dans l'hélico. Quand on fera Mano Games 3, on fait un loser bracket. Et pour la question qu'il y en a qui a posé... J'ai une idée trop tard, boss. Un battle royal. On mettait des armes dans différentes poubelles. Ils sautaient des coups. Batte de baseball, couteau, taser. Le dernier en vie qui était scellé. Le but c'est de recruter Chris quand même. T'es en train de m'échauffer des fous là. En vrai, ça serait très drôle. Ils sautent tous en parachute, ils cachent des armes dans des poubelles. James, il l'avait dit quand Chris a proposé l'idée. James, il a dit faut pas le dire au boss. Il y a un monde où genre, on reprogramme toute la soirée de ce soir. Hein. Putain, j'ai envie de les faire. Ah non, mais à la fin, là, on a plongé le quatrième. L'épreuve 4, Battle Royale. J'ai tellement envie de les faire. Épreuve 4. Je crois qu'il y en a qui ont envie de faire pipi. Les 4-5 meilleurs, là, et puis hop. Pourquoi il est vrai? Ça dépend. Il doit avoir envie de faire pipi. Faut bien qu'il garde l'orchestre, hein, parce qu'elle va leur servir après. Hein. Je sais plus s'il y a à nouveau la sécu quand il remonte dedans. Non. Normalement. Et apparemment, tu parles fort, boss, ils ont tout entendu. Ah ouais? Ils sont courants quand peut-être leur mettre un comment ça s'appelle? Un Battle Royale. Un Battle Royale, ils vont peut-être tous s'entretuer? Ah, je sais pas. Faut voir déjà combien on en garde à la fin de la prochaine épreuve. Bah déjà, ils sont pas tous arrivés là. Oui. Il manque toujours 4. Je pense qu'ils n'arriveront pas tous, ça. Il y a un moment où il y en a pas mal qui sont partis en garde à vue. On leur a donné une limite temporelle pour arriver ici ou pas? Non. Fais compter des Massachusetts à quelqu'un. Style 300 Massachusetts. Les Massachusetts ou les Mississippi? Il y en a un qui faut varier les plaisirs. Hein. Ouais, les Massachusetts, c'est varier les plaisirs. Les Massachusetts, toi aussi. Massachusetts, ça va mal se finir, ça. Oh. Le mot, il va changer avant la fin. 300. 300. Oh la vache. Mais t'as un sadique. T'as pris le combien? T'as pris celui qui arrive en premier? Non, mais j'ai dit le premier qui... Attends, j'ai dit le premier qui s'avance, et Thiago il a appelé le 7 d'office, donc j'ai laissé Thiago faire. Il doit pas l'aimer. Il a dit apparemment il arrive en retard ou je sais pas quoi. Numéro 7, ah oui, c'est celui qui a fini en garde. Encore pas vu. Ah, c'est Paul. Ouais, Paul Specter. Ouais. Il est venu avec quoi, lui? Une astérope, on dirait. D'ici. Ah, c'est à la droite, là. Il y a une tornado? Non, je crois que la tornado était déjà là. Oui, la tornado était déjà là. Ah merde. C'est Massachusetts qui doit dire ou Massachusetts? Ouais, je pense qu'à la fin, de toute façon, ça va falloir le mot aura changé. Donc, Mais il nous en manque. Attends, là. Mais le Paul là, il est venu avec quel véhicule? Le gris. Il a revolé une voiture. Oui. Okay. Il aurait pu de nouveau finir en garde à vue. Non, ça veut dire qu'il a plus de kit. Bah, il en a peut-être encore sur lui. Hein. Mais est-ce que le move là, c'est pas avec leur voiture volée d'aller chercher leur voiture? Une vraie voiture? Qui ferait ça? Pour faire la course derrière? Si, c'est pas mal. Ouais, genre il y en a qui sont dans des voitures de merde. Ah, là, la course d'orientation ensemble. Moi je serais allé récupérer ma voiture. Mais je vais faire plus que ça. Je vais leur donner un timer en disant vous avez stylé. 10 minutes, 5 minutes. Attends, je parle moins fort si vous avez X minutes. Vous allez chercher votre voiture si vous le désirez. Sinon, vous attendez là. Et vous risquez. Et la course démarre. Mais elle partira d'ici. J'ai des kits encore sur WAM. Moi, je serais leur faire chercher leur voiture eux. Comme ça, ils prennent ou le pari d'aller chercher leur caisse ou pas. Mais faut donner un timing. Style, ils ont 90 secondes. 120 secondes, tu vois. Alexis, tu jugerais à combien de temps toi l'aller-retour à la... Il y a deux voitures au moins là. Avec les voitures volées d'ici à Unive. Ah non, c'est l'ambulance. Pourquoi il y a des ambulances? Unive. En vrai, je dirais 10 minutes grand maximum. 10 minutes, c'est large. Je dirais il faudrait 2 minutes, 3 minutes pour un aller. Ouais, peut-être moyen. Ouais, je dirais 3 minutes pour un aller. Ou alors ils vont à la revente à Syrie, c'est possible aussi. Oui, ça doit être ça. Pour moi, en 3 minutes, ils sont unis. Ouais, c'est-à-dire qu'à l'aller-retour, c'est 5-6 minutes. Ouais, parce qu'après, ils ont leur voiture et c'est plus rapide à l'aller-retour. De quoi? Tu veux qu'on aille voir ce qui se passe ou pas? Non, ça me bat les couilles. C'est la Syrie qui est à côté, je pense, là-bas. Après, si tu te décides vite, Syrie, tu peux en jusqu'à 22h10. Il nous en manque 1, 2, 3, 4. Et bah, ils arriveront quand ils arriveront, non? À un moment donné, il faut qu'on avance, non? Oui. On va pas attendre là 4 heures. Non, après on est pas en retard. Ok. Et bah. Du coup, on laisse quelqu'un ici? Bah, moi je vais rester ici, j'ai pas besoin de bouger pour l'instant. De toute façon, nous on n'a pas besoin de bouger si on cherche la casse. Donc. Vous voulez pas suivre la course de notation, boss? Si, mais elle démarre d'ici. Il y a une nouvelle épreuve qui nous a créé. Ceux qui doivent aller à leur position, vous allez pouvoir aller à vos positions, mais je vous dirai quand décoller. D'accord? D'accord. Ouais. Excuse-moi. T'en es à combien de Mississippi? 130, monsieur. C'est des Massachusetts en plus. Allez, on s'arrête là. Vous allez avoir 6 minutes pour faire un choix. Ce choix, il est simple. Ou vous gardez le véhicule que vous avez là, ou vous l'utilisez pour aller chercher un véhicule personnel à vous. Dans 6 minutes, ici même, commence la suite de la course. Avant, le premier... Pour l'instant de la course, c'est numéro 10. Le deuxième de la course, c'est numéro 5. Le troisième de la course, c'est numéro 8. Comme ça, vous avez les 3 premiers. Eh bien, congrats. Vous avez 6 minutes pour faire un choix. Ou vous revenez ici avec un véhicule qui t'a loupé les débuts, ou pas, ou vous restez là. Dans 6 minutes, ici même, démarre la suite. Top. Déqué? Ouais, ça Sigbert, c'est l'ancien maire du Sud. C'est lancé le chrono, c'est parce qu'il y en a 2 chronoboss de lancer. Ah bon? Vous en avez lancé aussi? À terme, il y aura 2. Ah, 3, nickel. Bah, moi aussi. Comment tu t'appelles, toi? T'es numéro quoi? Numéro 8? Ah oui, ça reste avec son véhicule ici. Ouais, j'ai pas le temps de faire l'aller-retour. C'est vrai que vu là où il habite, Jimmy, il a pas le temps de faire l'aller-retour. On a suffisamment des... Ils ont déjà le... Des... Comment ça s'appelle? L'assemblée en vrai. Bah ouais, c'est ce que me disait le gouverneur. On a suffisamment des quoi leur donner pour voler notre voiture au besoin ou pas? Bien sûr. Ok, vous leur redonnerez. Tu m'as piqué mon véhicule, bâtard. Ah, tu t'es fait baiser ton véhicule? Ouais, t'inquiète. Et pourtant, t'avais dit... Et vous repartez avec le véhicule avec lequel vous êtes venu? Bah oui. Ouais. Qu'est-ce que bah écoutez... Ah, le gars qui a dû venir avec... Il y en a un là-bas, il est en train de piquer un véhicule. Mais il est en train de choisir son véhicule, je crois. Il va nous ramener les flics là, ce con. Il est débile. Mais ils ont pas compris. Non, mais je crois qu'Alan, lui, pour lui, la sécu, là, c'est... Ouais. Lui, il aura jamais 6 minutes, surtout. Ceci dit... Bon, il va rester que Jimmy. Bon choix de véhicule, en vrai, hein. Ouais, il n'y a plus grand-chose dans ce véhicule, là. Polyvalent, hein. Oh, et puis il va pas y arriver. Boss, j'en ai un qui m'a appelé qui était pas encore arrivé, je lui ai dit qu'il avait 6 minutes s'il voulait venir. La prochaine épreuve commence dans 6 minutes. Ouais, c'est ce que je lui ai dit. Dans 5 exactement. Oui, 4h30 même. Ah, et on en a un qui s'est explosé en parachute. Nickel. C'est étonnant. Vous pouvez donner un kit à Jimmy. Vous en donnerez un aux autres aussi. Mais... Ça sera faute à qui? Merci. À 3 minutes, je commence à donner des infos. Ils peuvent pas partir, mais je commence à donner des infos sur la suite. Qu'est-ce qu'il... C'est ça. C'est Gino. Mais il vient d'où, lui? Il était juste à côté... C'est quoi ton numéro, toi? 10. Comment? 10. Bah, les flics arrivent. Bah, les flics arrivent. Mais lui, c'est point, parce qu'il arrive. En retard, mais il arrive. Ah, oui, là, avec l'autre qui a braqué. Attends, je demande. Il y a un monde, c'est Blake. Bonjour, ils ont fait de la merde. Bonsoir. Bah on a un Bobcat qui a été volé ici, ouais. Ouais, je sais, c'est... Attendez, bah, il est là-bas au bout. Allez voir les Bobcats, il est là-bas, il a pas bougé. Non, non, moi je balance pas, hein, j'informe. Vous avez vu quelque chose ou pas? Ouais, c'est un individu habillé en patriote, il a volé un Bobcat. Ok, vas-y Wagner, on va voir vite fait. Okay. Je crois qu'il ressemblait fortement au Bobcat du bout là-bas. Oh. Et qui est là-bas là? Alors attendez, ouais. Ça c'est votre numéro 2. C'est ça, là où il y a votre collègue, le Bobcat est là-bas, ouais, ça pue, hein. Il ressemblait à celui-là de Bobcat. Ah ouais, ouais. Et vous avez vu personne alors que vous êtes tous à côté? Ah si, je l'ai vu voler. Ah oui, ouais. Mais je peux pas vous dire qu'ils se ressemblent tous. Ouais. Et ceux habillés en patriote, ils se ressemblent tous. Ah ouais, ils s'appellent tous Ben du coup? Ils s'appellent tous patriotes. Ah, patriote du coup? Voilà. Ah oui. Okay. Et vous, mais vous n'êtes pas habillé en patriote. Et vous n'êtes pas habillé en patriote, Black. Vous vouliez pas faire les Mano Games. Alors déjà, je suis pas sûr que vous... Alors, enfin, moi, je suis pas intéressé pour rejoindre votre groupe. Incroyable. Je suis pas sûr que vous preniez les anciens flics. Non, je prends pas les anciens flics. Non, non. Je suis pas sûr que... Enfin, niveau street cred, il y a quand même mieux. Je m'appelle pas les Lost. Ah ouais? Non. Ah, je connais pas. Enfin, les Lost aussi, mais l'ancien flic est là. Bon, pas de soucis. Merde, on a dit quoi? Attendez, bougez pas. Du coup, vous avez un hélico par patriote? Non. C'est pire que ça. C'est ça qui est pire que ça. Bon, je dois vous laisser parce que c'est important. Yes, et bonne soirée à vous. Salut. Devine le troisième, qu'est-ce qu'il a fait? Pas moi. Si tu devines bien, tu prends 50 000. Information pour la volée de voiture de keuf. Information pour la prise de départ. Le prochain point. Ah oui, si. Mano, décollez. Ceux qui doivent décoller, décollez. Le prochain point. Et vous pourrez y partir dans 1 minute 30. Si, si, ça a été modifié, Jade. Le prochain point, 11:05. Non, vous ne pouvez pas partir, mais je vous le donne. Le prochain point, 11:05. Vous ne pouvez pas partir tout de suite, mais je vous le donne. Arrivé là-bas, quelqu'un vous donnera les points d'après. À chaque point, vous aurez une information pour le point suivant. Potentiellement, il peut y avoir une épreuve sur les points en question. Le prochain point, 11:05. À chaque point, on vous donnera le point suivant. Comment ça t'as pas le plan ce temps? Il est possible qu'à un point, vous ayez une épreuve. T'en parles, Vachette. Le prochain point est 11:05. À chaque point, vous aurez le point suivant. Il est possible qu'au point, vous ayez une épreuve. T'as pas la vache. Très bien, merci. Ils ont pas eu leur décrochetage. Tant pis pour eux. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est quoi les épreuves? C'est nous qu'on a le droit de leur faire des trucs ou... Non, mais je parle pour les maths. Ah oui, ok, ouais. Vous bougez quand là? On va pouvoir y aller là, nous. Ouais, mais prévenez Jade à la radio que ça arrive, que c'est parti. C'est parti, je vous rappelle que vous devez leur demander leur numéro à chaque fois. Si vous faites une épreuve, entre guillemets, tous la même, mais vous ne créez pas de la merde. Ne créez pas d'épreuve parce que vous allez me créer de la merde au dernier moment. Vous prenez les numéros de chacun à chaque fois qu'ils passent. Ça marche. C'est moi ou Jimmy, il a piqué la voiture d'un mec? Je crois qu'il a poucrave la voiture d'un des mecs. Bah même ça, s'est fait piquer sa voiture. Mais je crois qu'il a piqué une super pour les boss, le mec, ça quelle souris, il a piqué. C'est pour ça qu'il y en a un qui est parti à pied là. Il y en a un, il a style sa sportive, il s'est fait cramax sa sportive. Mais oh, c'est... Le prochain point, 11:05. À chaque fois qu'il y a un point, on va te donner le point d'après. Il est possible que des fois il y ait une épreuve. D'accord. Oui. Ça veut dire que je peux pas crever même un petit pneu. Non, tu crèves pas un petit pneu. Tu ne crèves pas les pneus tout court. D'accord? Allez, ça marche. C'est Hannibal, ça. Oui, c'est Hannibal. Alors, sans déconner, mais je crois c'est ça. Eh chérie, je crois Jimmy, il a poucrave la voiture du mec qui venait d'arriver en mode il a amené sa sportive et Jimmy il l'a piqué. Ah ouais? Ben je crois, ou alors je suis débile, mais je crois avoir vu ça. Je crois que quand j'ai dit top, tu vois, et bah et Jimmy il est parti, il a pris la caisse du mec qui venait de se garer, et il s'est cassé avec. Mais en fait il s'est fait piquer sa caisse. Moi j'avais vu la mec partir 11,05. Ouais, tu veux que je te mette le point? 11,05 c'est le resto de toute façon. Ouais. Et normalement l'hélico va être au niveau du chemin de terre qui est juste en dessous. Ok. Et oui, il y a un mec qui est parti à pied, donc à mon avis, de toute façon, il y en a un qui s'est fait piquer sa caisse. Hein. En 05, vous êtes en place? Négatif, on approche. Il y a un moment où j'aurai une pause proche de Marina ou de Sandy, faire le plein? Pour info, d'équipe 3, on est en place. Oui, nous on peut y aller quand on veut, de toute façon, nous on est juste là pour suivre la course. Mais genre là... Oui? J'en ai plus que 7 et ils seront là d'ici 20 minutes. D'ici 20 minutes à peu près? Oui, à peu près. C'est le temps qu'ils aillent à gauche, à droite. Là, ils me font 3 fois les tours de l'île. Et... Là, plus que 7, bah attends, on peut augmenter à 3000 balles, non? Non, mais ça serait bien que tu les tues pas, déjà. De voilà. Quoi? Mais demande-leur 3000 si tu veux, Jean, si ça fait plaisir. Rapide, ouais. Ça va être dur voilà. À suivre. Et t'évites de les plomber, quoi. L'idée, c'est qu'ils puissent repartir. En gros, il arrive, il te demande gentiment, il paye, tu lui dis que la finale, c'est il faut qu'il aille à Villa Mano. On est en place, 11h. Faut prévenir Jean qu'on est en hélico. Villa Mano avec le numéro. Là, qui ne tire pas dessus. Ouais, et t'auras sûrement un hélico pas très loin de chez toi, c'est nous. Ça te dérange ou pas? Bah, je vais pas dire non. Non, mais on va pas se mettre au-dessus de chez toi. On va être sur les périphériques. Pas de soucis. Merci, Jean. Ok. À dans tout à l'heure. Adam tout à l'heure, ça c'est... Titre. C'est quelqu'un qui s'appelle tout à l'heure et il est dedans. C'est ça. Mais vous allez où là? Bah 11,05. Oui c'est bon. Mais je me dis il y a peut-être un monde où on va les rechoper de point Y. Ouais je pense qu'ils sont bien plus avancés que ça. Hein. Ah ouais? Bon bah le temps qu'on a mis à partir avec le dernier qui arrivait là... Pour l'instant, il n'y a pas de coche sur le truc, donc c'est pas encore arrivé. Numéro 8, premier. Ah, donc c'est Jimmy. C'est Jimmy. Numéro 8, il avait quoi comme voiture? Parce que je crois qu'il a poucrave la voiture de des mecs. Il avait quoi? Je peux pas l'entendre. Il avait quoi? Non, de chaise. Ah, il a repiqué une moto sur le chemin, du coup. Une moto. Non, mais il a piqué la moto d'un mec alors, parce qu'il y a un mec qui arrive en moto, je crois. Oh, ouais, c'est pas mal en vrai. 7 deuxième, 13ème. 13 troisième. Ah bah, Manchese, il a pu faire l'off-road comme il voulait en plus. Du coup, ça part en 20,58 après. Tu veux jouer directement en 20,58 ou pas? De toute façon, ouais, parce que ça. J'essaie de te mettre. 11, 4ème. Équipe en 20,58, vous êtes prêts? Ouais, Alexis. 58, on est prêt, boss. C'est la ferme de weed, c'est. Bah non, mais c'est chez les maths, c'est ferme de weed. Alors, il n'y a pas de zip. Putain, tu veux qu'on leur donne comment l'info, Miguel? Chez les. Chez les maths. Parce qu'il n'y a pas de zip chez les maths. On dit chez les maths, du coup, ils se démerdent. Chez les maths, c'est l'entrée et les points H. Chez Miguel, question, il n'y avait pas un autre participant que Jimmy qui avait une manchese au départ? Si, c'est pas à lui, il l'a piqué. Jimmy, comme il n'est pas allé chercher sa moto ou sa voiture, il a piqué celle-là au mec. Ferme de 8.h. Et il se démerde avec ça, ça roule. Tu leur dis tous la même chose, c'est important. Vas-y, nous on arrive au-dessus de vous. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas de zip là-bas. Avec la manchese, il a moyen de découper comme un connard. Oui. C'est l'avantage. En vrai, s'il fait pas les cons et qu'il se crache pas, il peut rester premier. Après, il est 4ème actuellement, Jimmy. 3ème. Non, parce qu'il y a Novatil qui a 18 points. Quand tu l'auras annoncé tout à l'heure, il est 4ème. Regarde. Le 13, il a 18 points. Jimmy a 17. Ah oui. Du coup, il a 4 points à rattraper. Après. Ouais, 4 points quand même. Hein. On va voir ce qu'on fait à la fin. Il y en a deux qui seraient pas encore arrivés là. Ils sont obligés de passer par là, sauf qu'avec la manchée, il peut peut-être passer par les montagnes. Ouais. Mais en vrai, s'il fait un tout droit chemin de terre ici, normalement, il devrait arriver par là. Il y a les flics juste en dessous, on contrôle le radar. Sur l'autoroute. Ah, là en dessous, regarde. Ça part. Une voiture, ouais. Mais STR, non, il y en a une devant aussi. Ouais. Oh, tu peux aller voir là-bas. À part reçu d'un école. 2 véhicules qui arrivent vers vous. 3. Oh. Un troisième. Oh, il y a un vagrant là. Ouais, il y a un mec qui arrive avec un vagrant. Ouais, j'avais même pas vu. Hein. Donc là, après, c'est quoi? C'est à qui les véhicules? C'est des véhicules. Ah là, ils vont direct chez les mâles en fait. Non, non, bah non. Non, non, ils redescendent là, non? Ils vont en 121. Ouais, ils vont en 121 après. Répète, Chris. Premier véhicule arrivé, un vagrant, deuxième, une VSTR. Non, mais on s'en fout. Il faut que vous notiez les numéros. Moi, je suis dans l'hélico, c'est James qui s'en occupe. Attends, mais sur le. Parce qu'Alexis me demandait pour aller chez les maths, mais ça va pas chez les maths, ils sont plantés, je pense, sur le truc à droite là. Il n'y a plus le 121. Si, si, je le vois, les 121. Ouais, mais regarde pas à droite. Sur là où c'est écrit à droite. Apparemment, Paul Specter numéro 7. Alexis, vous avez donné quel point? Nous, on est en. Vous avez donné quel point après? Ils sont en 121, c'est pas lui qui a donné des maths après. En dessous, c'est James. Ah mais vous êtes à l'aéroport vous? Oui, oh, ouais, ça. 10, 21... Ok, ouais. Il faut que c'est à James qui ait donné le bon truc en fait. Ouais, parce que regarde, à droite, là, ils ont mis la liste des hélicos. Ils ont Jimmy, ça sent l'accident des manchaises. S'il a pris le canyon avec la manchaise... Je crois qu'il a dit le numéro... Ouais, là c'est 13 et 7 qui sont arrivés. 7, c'est le mec qui a fait de la gaffe tout à l'heure. Oui, bah lui il est pas prêt à démarquer des points. Les autres sont vachement en retard ou c'est moi? Bah y'en a qui sont toujours pas arrivés, Lino est toujours pas arrivé au point d'avant. Les voitures qui arrivaient. Ah, Vigero. C'est celui qui s'est pointé cet après-midi devant la villa, je crois. Il marche, c'est tranquillou. Et c'est Aaron, je crois. Oui, mais 10 ans. Il y a une chance sur deux pour qu'ils aient fait une dinguerie, qu'ils aient réinventé des règles. En troisième position, numéro 11. Des règles sur quoi, chérie? Tu sais, oui, mais autant de temps. Pourquoi les Aztecas qui sont là? Les Aztecas, ça, non? Ouais, je sais pas. Vas-y, descends, Pierre. J'espère qu'on n'est pas sur leur putain de champ. C'est la question que je suis en train de me... C'est exactement ce que je suis en train de me dire. Rien à foutre. Et oui, bonsoir. Comment ça va? Oh, ça va nickel. Oh, désolé, on pensait pas vous trouver là. On est sur votre champ, c'est ça? Non, pas du tout. Nickel. Ah, là-bas, il y a un piou-piou à moi, on fait des Mano Games, il attend. Regarde, il est poli en fait. Ah, ok, d'accord. James, va lui dire l'info au piou-piou là-bas, s'il te plaît. Ça marche. Il y a un mec qui s'est canné, je crois, en moto plus loin, il serait peut-être à vous aussi. Ah, ça doit être Jimmy. Jimmy, il a dû se canner en moto, faut appeler. Bon, bah, on sait où il est. D'accord. Il a dû faire un tout droit. Ok, pas de soucis. Bon, bah, pas de problème. Et bon courage. La bonne soirée. Allez, bon courage. D'après l'information, il y aurait un mec habillé, un patriote, canné à moto quelques mètres avant les canyons. Eh ben, je pense que c'est Jimmy parce qu'il est parti en premier de chez nous, mais il est jamais arrivé en 2058. Faudrait qu'on y voit où. Pour info, hélico qui fait toutes les positions, si vous venez sur notre position en 121, faites hyper attention à des avions qui atterrissent. C'est quoi? Pourquoi il met 10 ans en repart? Avec les avis, je t'ai redonné le zip normalement. Ouais, je leur demande juste leur numéro et puis après je leur donne le zip, ouais. Ok, d'accord. Par contre, il doit y avoir Jimmy là-bas, on va aller voir, mais apparemment il est cané là-bas. Il est cané? Ouais, apparemment il a pas l'air très bien, on va survoler de toute façon. Ok. Vous voulez que j'aille voir pour activer sa balise au cas où? Non, on va aller voir Milo, mais c'est gentil, merci. Ok. Bah, déjà, faut me trouver. Alors vers où? Bah, va tout droit, suis la route, apparemment il y aurait un mec cané à moto. Ah, c'est le risque de la moto, hein. En fait, c'est peut-être entre les deux, là, à tous les coups. Je sais pas, ce qu'il parlait du canyon, non? Canyon, ça serait au niveau du pont, non? Non, non, il parlait de rien du tout, il a dit juste avant. Il y a un mec là-bas, cané à moto. Ah, bah, ils sont peut-être à côté. Bon, je vois pas. Bah non, je vois personne. Est-ce qu'il a essayé de passer à la montagne ou ouais, non, je vois pas, hein. Pour info, sur 121, il y a le premier véhicule qui arrive à notre position. Ah. C'est de l'autre côté. On est dans les oranges. Faut qu'on aille faire le plein. Ah, faut aller faire le plein. Bah, je vois rien. Oui, bah c'est pas très grave. Hein. Je vois rien. Après, il y a un puma dans le coin, donc il y a un monde. Il y a un monde, il s'est fait bouffer, nickel. Hein. Ouais. Il y a un monde, le puma s'est tapé un croc, ouais. Et il faisait quoi ici, du coup, les Las Vegas? Du coup, pour l'instant. Le premier, c'est. Ouais. On se baladait. Ah, bah tiens, regarde les BCS. Toujours pas de nouvelles du numéro 611-05? Ah, regarde en dessous de nous. En plein milieu de la route. Juste devant la ferme. Le BCSL. Ah ouais, les BCSL sont arrivés. Numéro 7 en premier, numéro 13 en second. 7 il remonte bien, hein. Ouais, mais il a perdu une épreuve donc lui de toute façon. Et le Noatil, je sais toujours pas d'où on connaît, hein, Alan, non. Mais son nom me dit quelque chose. Hein. Ici, c'est notre PM. Chez les Mads actuellement. C'était l'ancienne PM. Et aujourd'hui, bah, je suis en bière. Ok. C'est vous, pas de nouvelles du site? Négatif, non. On était en train de se poser la question justement si on l'appelait ou pas pour savoir ce qu'il leur a dit à la radio que il y en a un qui est au sol avec sa moto. Oui, oui, c'est Jimmy, tu veux que ce soit qui? Et le comble pour un ancien Lost, c'est que Jimmy s'est gaufré à moto. La question c'est tout seul ou est-ce qu'on l'a poussé? Mais monsieur Miguel, les Lost ils roulent pas à moto. Moi si du temps des Jimmy ça roulait à moto, ils avaient des accidents tous les 2 jours et ils chialaient. Donc là on va en 121, c'est ça? Ah ils avaient même fait un communiqué. Bah non parce que c'est en train de remonter chez les Mads là déjà là. Donc je me positionne Mads. Pour information, ouais. Troisième arrivant numéro 11 qui se dirige actuellement pardon, chez les Mads. Eh ben go Mads. Alors les maths ils me disent au secours, faut envoyer personne à la SAHP devant chez moi. Faut temporiser, mais je temporise rien du tout là, je sais pas comment. Toi je vais aller temporiser en personne, oui. Oui bon, on va atterrir. Je me pose sur la freeway. Non mais au pire on atterrit dans le chemin en terre. Il y a 2 qui viennent de passer chez nous. Mais c'est ça la voiture qu'on voyait, mais elle avait l'air de faire du contrôle radar, je vois pas le problème. Ouais, James. Jimmy, Lino toujours pas passé au point d'avant. Bon, faut le 6 répond pas. Et Jimmy est dans une ambulance là. C'est normal, il a bouffé le bitume. De quoi du flic là, non? Qui ça? Ah oui, ils sont pile devant chez eux les flics, oui. Ils sont pas en contrôle radar là. Hein. Mais de toute façon, il est pas passé au point d'avant, donc vous pouvez bouger vous. Ils sont pas du tout en contrôle radar, hein. Ils sont vraiment devant chez eux. Hein. Vas-y, on règle le problème des maths. Go Villa, vous. Que je me pose, chérie, ou pas? Go Villa. Nous, on peut faire le point en bas. Du coup, là. Pour le 6 et le 8, on met un timer ou on attend encore? Ah, le 6, tu peux attendre. En fait, hein. Attendez encore un peu. Tu veux que je me pose, chérie, ou pas? On met une cagoule et on bracole les sages. J'ai reçu, on a un hélicoptère. Sérieux, vraiment 05. Pour info, de l'aéroport, numéro 5 qui vient d'arriver, qui se dirige chez les MAD. Le temps que je me pose, ils ont le temps de nous braquer 10 000 fois. Hein. Pour info, devant chez les Mads, il y a du flic aussi. Il y a deux voitures de SHP. Non mais en vrai, si nous on se pose là, on peut faire le checkpoint nous-mêmes. Le vagrant est déjà là, là. Dites-moi. Demande de confirmation en 2058, on peut rentrer? Alors 2058, sinon il en manque. J'aurais dit de rentrer moi. Qu'est-ce qu'il fait? Regarde, il attend les vagrants. Il s'est mis juste en dessous. Ouais. Il fait quoi? Il rentre, il rentre. Mais il va crever. C'est qui le vagrant? Bah c'est le premier sur l'inspecteur je pense. C'est qui le vagrant? Le vagrant c'est le... c'est 13. Bah il y a les flics devant les Mads, mais lui qu'est-ce qu'il fait? Il contourne et il rentre dans le quartier. 13 il est parti visiter les quartiers de Mads. Bah adieu hein. Petite étoile partie trop tôt. C'est ça oui oui. Bon bah pose-nous. Pourtant je me suis pas chié sur le col des positions, j'ai bien dit point H chez les Mads, arme de weed. Ah oui bah il était chez les Mads, c'est là-dessus y a pas de souci. Ouais, mais on fait quoi de l'autre qui est parti hein? Salut. Numéro 13. 13, ça va 13? Ça va et vous? T'as 3000 balles 13? Oui j'ai. Nickel, si tu veux acheter l'info, c'est maintenant. Le voici. Merci 13. Villa Mano. Bien reçu. Du coup, le vagrant c'est pas 13. Bah du coup, non, c'est l'inspecteur ce que je disais tout à l'heure. Par contre, bon, j'ai pris la place des Mads et en gros les 13 viennent de passer chez nous et il va direction Villa Mano. Est-ce que j'ai un hélico qui peut raccrocher? C'est Jean normalement. Yes. Et du coup le vagrant l'a laissé aller là-bas, toi on n'était pas posé non? Bah du coup on peut pas être partout. Ouais, mais je sais pas, tu vois potentiellement des membres de gang avec les flics là, je sais pas, tu vas, ouais. Mais les BCES ils ont l'air de pas arrêter de. Ouais, bah, on accroche Villa aussi. Putain, contrôle de vitesse. Il y a peut-être un. Il y a peut-être un piou-piou chez vous. Bah, faut le canner. S'il est chez vous, vous le cannez. Ah ouais, il y a un piou-piou, ouais, j'ai vu quelqu'un passer, ouais. Hop, non mais normalement on a dit que on a mis quelque chose devant pour pas que ça rentre, donc si ça rentre... Ah bah attends, il est pas direction chez vous. Et bah je sais pas qu'est-ce qu'il fout mais lui... On l'a mis devant le pont là-bas. Bah il doit être débile, parce que... C'est qui celui-là? Bah je sais pas mais... C'est pareil, c'est la fête au village ici ou comment ça se passe? Lui il est con, il veut crever. Ah, moins con que les autres. Numéro 11. Numéro 11. Oui. T'as quoi pour moi? Rien. À part un guide de crochetage, c'est tout ce que j'ai sur moi. Super. Je vais braquer des caddies avec ça. Donne-lui 3000 balles. Ouais. Oh, attendez, j'ai encore mieux. J'ai même 8000 si vous voulez. Zéro en intérêt là. J'en ai. Nickel, Villa Mano. Ok. J'avais dit 3000, maintenant il paye à coup de 8000. C'est quoi ce numéro? J'ai pas noté, c'est 11? 11, je crois que c'est 11. La Calico, c'est quel numéro? Je sais pas. Je vais checker. Par contre, celui qui était en vagrant, il est... Ouais, je pense qu'il doit être vraiment cané, hein. Moi, je pense qu'il attend devant les ponts comme un connard. Attendez. Je sais qu'il y a Jean devant le pont. Ah! Oui, Jean, il y a quelqu'un en vagrant qui est arrivé? Oui, il est mort. Il avait pas d'argent? Ah bah super. Il devait s'habiller en Mister America, c'est ça? Bah... En patriote. C'est très drôle en vrai. Pas mal. En patriote. J'étais 15 au début, il n'en reste plus que 3 maintenant. Oh putain, attends, lui aussi il veut savoir qu'il il a des pognons ou pas? Villa Mano, c'est... Ah non, ils veulent pas. Attends. J'ai pas eu le temps de lui dire bonjour à lui. Revenez quand vous voulez. Quelle dinguerie. Bon, donc il avait pas de pognon le mec en vagrant? Ouais. Oh non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Il est pas... Non, vraiment ? Il est reparti là ? Bah apparemment, il est parti à la banque. Il y en a un, il a donné 8000. On lui a dit c'est 3000, il a fait non, tiens, prends ma thune. Mais attends, il y en a un qui est toujours pas passé à l'aéroport là. Hein. Oui, masqué. Et bonsoir. Quel bordel. Vous avez trouvé le vagrant ou pas? Bah oui, il avait pas d'argent, je l'ai envoyé sur la prochaine. Eh ben tu vas revoir. Bonsoir. Je l'ai envoyé à la banque. Bon, il va peut-être revenir, on sait pas. Oui, oui, il y va. Il y en a un, il a donné 8000. Hein. Ah bon? Ah oui, ouais. Il a donné beaucoup plus que prévu. Il voulait absolument. Peut-être tu demandais. Mais il a donné à qui? Il ne manque plus que le numéro 2 à moi. Pour pouvoir changer de position. Ah bon? Bah oui. Il est là le vagrant. C'est la police qui nous regarde derrière là? Bah oui, ça leur intéresse à partir du moment où il y a un édito d'un groupe qui n'appartient pas à la zone normale. Et ils sont chiés. Pas de choses à foutre. Ah bah c'est bon. Sur les deux qu'ils avaient 4 hélicos, ils ont pas trop posé de questions. Alan, boss. Oui, c'était 7. Moi j'écoute. C'était 7. J'ai une petite question. Combien, là, attends, Zach. J'ai une petite question. On avait combien de motos au départ? J'en ai eu 2. 2, je crois. Ah, 2. Bon, ok. Je pensais que celui qui avait pris la moto au début, il s'était fait chourer, mais. Je crois que c'est ça. Jimmy, il a chouré le mec à moto, puis il s'est gaufré avec. C'est pour ça que je demandais s'il y en avait une deuxième, parce qu'en fait, le dernier qui arrivait chez nous, là, il avait une moto exactement la même que j'avais vue sur le départ. Eh bah, ben, je sais pas alors. Ah, la villa? Non, il est arrivé où, Alan? Non, il y en a un qui vient d'arriver. À l'arrivée finale. Ah oui. J'en ai deux, ils c'est beau. Ouais, il y en a deux qui sont accidentés. Il y en a un qui est jamais passé à l'aéroport, là. Et bah, le dernier qui est passé à l'aéroport, là, Francis, on a toujours pas vu. Francis McDouglas? Non. Non. Même si Francis il voulait participer, ce serait lourd. Oh bah tiens Hector, j'ai clairement pas envie d'écrever. Tu décolles te faire le cul ou tu te casses? Comment ça de mourir? Non mais Francis c'est un bon... C'est un bon chanteur. Voilà. Ah oui, non. Non ça c'est les verts. Salut Schmitt. Tout est dit. Bon, et ben nous on file. Je sais pas si vous n'avez pas un qui va arriver, mais au pire tant pis pour lui. Je pensais qu'il y en aurait plus qui arriveraient jusque-là. Oui, moi aussi. Ah, mais sur 15, oui, il n'y en a eu que 4 là. Bah, après, déjà, il y en a, je leur ai dit, vous savez qui je suis? Ils m'ont dit non. J'ai dit, bah, allez, dégage. Ah oui. Déjà, on en a perdu 4-5 là. Vous les avez butés? Non. Ah. Non, je les laisse. Comme ça, je peux les réutiliser un autre jour. Ouais, c'est bien. Et bah, merci à vous. Bon courage. Ouais, merci à vous aussi. Et bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. La rave. Bonne soirée. La rave partie. La rave. C'est la rave. Le rave. C'est l'heure de la rave là. Ça ah, il y en a un qui arrive, non? Ah, je crois. Ah, il est habillé ou pas? Non, non, ça trace. Non, ça trace. Là, on en a plus que 3. Non, plus que 4. Tu veux qu'on fasse quoi? Qu'on reste là ou Govilla? On va aller à la. On reste là une petite minute ou deux, puis on va aller à la maison après. Comment ça se fait qu'on en a autant perdu? Je sais pas. Ça peut être des excès de vitesse avec les flics, ça peut être des accidents, ça peut être... Parce qu'il y en a quand même un qui est jamais arrivé à l'aéroport. Alors Lino il est jamais arrivé au premier point. Après, bah en fait à chaque point on en perd un. Jimmy est jamais arrivé au phare parce qu'il y a l'accident. Sébastien il est jamais arrivé à l'aéroport. Et là, on a Francis qui est jamais arrivé. Ah, c'est vrai, on en perd un à chaque fois. C'est n'importe quoi. Ah, c'est quoi qui arrive là? Moto C'est une moto qui arrive là. Ah oui, en tenue. C'est Jimmy qui est reparti. Pour info, on vient d'avoir le dernier pour nous qui devrait pas tarder à arriver au téléphone. Hein. Mais comment il est arrivé là? C'est Jimmy ça? Je sais pas. Et il y a un mec habillé en patriote en moto qui vient d'arriver chez les Mads. Attends, on va voir l'info des maths, hein, qui sait. C'est le dernier qu'on vous a envoyé, c'est le numéro... Numéro 10. Francis. Bah c'est Francis, mais Francis ça fait un moment qu'ils l'ont coché, je comprends pas. Non, non, il a pas été coché. Les maths, non, il a pas été coché. Mais non, pas chez les maths, mais eux... Nous, on pensait clairement que c'était Jimmy. On était là en mode, le mec a survécu. Mais c'est le mec en moto, Francis, là? Parce que moi, je peux pas le cocher, là. C'est le mec en moto, oui. Ah, les maths se disent quoi, niveau... Ils t'ont dit ou pas, le numéro que c'était? Ben non, ils m'ont pas dit. Hein. Bon, allez, direction à la maison. On verra bien, là-bas. C'est tout bon, on vient de réceptionner numéro 2, on l'a envoyé sur votre position. Numéro 2? C'est qui numéro 2? C'est Sébastien. Ouais, Sébastien, mais... donc pour Alexis, nous on rentre à la villa. Pourquoi il y a mis autant de temps quoi? Sébastien va chez... au moins il est là. Donc il va manquer que Lino et Jimmy. C'est que Jimmy va demander à l'ambulance de le déposer. Ça serait exceptionnel. C'est ce qu'avait fait Zach. Bah oui. Il avait réussi à se qualifier. Du coup, ils ont coché, ils ont mis les scores. Du coup, on a premier Agop. Deuxième. Oh là là, un point d'écart. Je connais ni l'un ni l'autre. Si, les gars, ils parlent souvent d'Agop, non? Agop, c'est celui qui dit mes hommages à Alan. Ouais, à chaque fois qu'il me voit, il me fait mes hommages. Moi j'ai beaucoup de mal, j'ai énormément de mal. C'était tellement obligé. Et t'es sûr? Ah, surtout qu'une fois Alexis... C'est moi qui arrive en hélico, me tirez pas dessus s'il vous plaît. Une fois Alexis a agrémenté ça d'un papy. Forcément ça passe moins bien aussi. On va avoir le temps de faire l'épreuve 4, non? Ah, là, on a du temps là, hein. Et ils ont jusqu'à minuit pile pour nous amener les 3 objets. Ah oui, c'est vrai. Est-ce qu'on fait du coup un maximum d'objets d'entreprise ou est-ce qu'on... Mais maximum de différents en fait. Et ça va être le bordel en ville. Après, est-ce qu'on a tous les patrons qui vont nous appeler? J'ai de la place ou pas pour me poser? Ok, on va faire ça. On va rappeler tous ceux, même les accidentés. D'accord, tous ceux qui ne sont pas éliminés, pour leur dire direction Villa Mano. Peut-être moi j'ai de la place là, peut-être. Ouais, au pire tu peux te mettre derrière sur vers le jardin et tout. Hein. C'est nous, on atterrit. Mais il faut personne en dessous par contre. Bah, il bouge, ouais. Et pète à terre. Il est où James? Pour info, Hannibal, James et moi sommes dehors, on attend les derniers vagues. Au pédiluve, non? Ah, le vagrant survécu, hein? Ta gosse. Tu me rappelles tous ceux qui sont pas là, style les accidentés, ceux qui manquent. Tu leur dis qu'ils ont 5 minutes pour venir ici, pour la 4e épreuve. Donc okay, même s'ils n'ont pas marqué des points à la 3e, c'est pas grave, ils viennent à la 4e. Tu vois, okay, Sébastien, il n'a pas des points à la 2e. Pourquoi d'ailleurs? Comment ça se fait d'ailleurs? Bon, tu leur dis qu'ils ont tous 5 minutes pour ramener leur QC. Donc ceux qui manquent, il doit rester Sébastien, je crois qu'il n'est pas là. Donc Sébastien, Lino, Jimmy, Francis... Et Francis. Francis, il est en train d'arriver là en moto. Francis, il est en train d'arriver, je crois, et Sébastien aussi. Donc il va manquer que Jimmy, je crois. Et Lino. Et Lino. Donc okay, tu m'appelles Jimmy, Lino, tu leur dis ils ont 5 minutes pour venir. Ok, ça marche. Pour info, on attend Sébastien et... qui d'autre? Et... Ils sont plus sur la radio, ils sont plus dans les hélicos. Si je... J'adore. Francis, monsieur Miguel. C'est ça. Et on a décidé d'appeler les 2 autres pour leur dire de revenir. Pas de souci. C'est où nous voyons bordel? On n'a plus à boire. Quel enfer. Ah si, là. Ah, je vais changer des tenues. Parce que j'aime bien changer les tenues. Et vous savez quoi, si Jimmy il arrive dans les 5 minutes, j'attribue 25 points. Non, c'est pas vrai. Faut pas l'appeler pour le dire ça, il serait capable de mettre un turbo sur sa chaise roulante. Ils sont où, Jade et James du coup? Devant le portail, probablement avec Annie. C'était là-bas. Ouais, vu le vagrant qui vient de faire un petit stop, il y a des chances. Et lui, il est peut-être rentré trop vite, lui. Ça, c'est Annie. Non, il y a des problèmes. Ah. Ah, il est tout triste, un bébou, il a dit, il a des problèmes. Un problème de... Oui, bah les couilles. C'est Lino, ça. Oui, il a dit, il y a eu des problèmes. Ça m'a les couilles. Non, mais il peut conduire quand même, alors, du coup. Il reste un accident. Mais par rapport au point, d'accord qu'il prend 0 du coup. Non, si, lui, il est arrivé en faisant tous les endroits, donc c'est bon. Non, non, il a pas fait les endroits, lui. Il a pas fait les endroits? Non, non, problème. Bah, pas de point. Ouais, c'est ce que je disais, parmi ceux qui étaient là, s'ils auraient pris une personne accidentée avec eux, au moins on aurait vu de la cohésion. Ils auraient pu gagner les points bonus. Bah, ou alors un taxi. Oui, ou un taxi, ils auraient pu prendre un taxi aussi. Ou alors payer 50 000 pour qu'ils te ramènent directement au prochain point. Ça donne quoi? Bah, Lino vient d'arriver, oui, il est arrivé direct quand je lui ai dit. Jimmy, je l'ai appelé, je lui ai dit c'était à 5 minutes, il a commencé à me demander s'il fallait conduire sur l'épreuve, je lui ai dit tu verras, tu viens, prends. Donc voilà, et Sébastien et Francis, bon on attend. Ok. C'est long, hein. Qu'est-ce qu'ils foutent? Sébastien et Francis, ils ont fini les épreuves ou pas? Non, il n'est pas passé chez les maths, Sébastien. J'appelle? Et Francis, il est passé? Oui. Vous voulez que j'appelle Sébastien et lui dire de venir directement? Oui, il prendra 0 point, tant pis pour lui. Yes. Et Francis aussi et... Bah, Francis, il est où? Bah, il était censé passer chez les maths. Il est censé arriver là. Ouais, viens directement à Villa Mano. Mais ça fait un moment. De suite. Bon, on peut lui demander ce qu'il fout, hein, sinon. Jimmy 0 sur et Francis, et bah s'il arrive là, 32, il est censé prendre un point, quoi. Bah même 6. Même 6 points, oui. Ça change beaucoup. Ça ferait de l'huile deuxième. Ah bah oui, oui, c'est important du coup. On peut quand même l'appeler, savoir où il est. Bah oui, il répond pas, c'est qu'il y a un problème. Ouais, t'en es où? Ok, ça marche, à la suite. Il est où? Dans les montagnes au-dessus de chez nous. S'il descend par là, monsieur Miguel, je le tue. Hein. Par où? Par derrière vous. Pourquoi? Dans ta montagne? Parce que, quand même. Bon, ça va, il est assez loin. J'aime pas les gens qui traînent autour de chez nous comme ça dans les montagnes. Point, les Numéro 10. Ça marche. Allez hop, pour aller voir tout le monde, il nous manque qui? Francis et... Francis qui devrait arriver, on l'attend dedans. Numéro 10, c'est lui. Mais c'est Francis, c'est lui. Ah pardon, je suis con. Bah, il reste l'autre. Il nous manque Sébastien qui, je dis qu'il doit venir directement. Il arrive. Ils vont venir tant pis pour eux. Allez hop. Allez. Agop. Vous m'avez déjà parlé des Agop, non? Oui. C'est pas celui, ça, si, c'est celui qu'appelle Alan et votre majesté ou je sais pas quoi. C'est ça. Le dernier, il a fait toutes les étapes, il prend ses points. Ouais, je crois que quelqu'un l'a mis, non? Oui, je l'ai mis, Francis, il a fait toutes les étapes, il a pris 6 points, ça fait de lui les deuxièmes. Agop, il est un peu psychorigide. C'est ça, mais il bosse bien. Mais il bosse bien. Alors, on ne pourra pas lui retirer. Ah, ça, c'est clair. Alors, pour l'instant, les premiers, numéro 5. Deuxième ex-aequo, numéro 10 et numéro 13. Et après, c'est dans un mouchoir de poche juste derrière. Épreuve 4. Vous allez avoir une heure, donc juste à 23h45, pour nous amener autant d'objets d'entreprise que vous voulez. Chaque objet d'entreprise différent vous apportera un point chacun. Imaginons, vous volez le travail du Black Cat, vous le ramenez, c'est un point. Vous volez le travail du Benny's, vous le ramenez, c'est un point. Si vous ramenez le travail du Benny's, du Black Cat et de Yellow Jack, ça fait 3 points. Vous pouvez les voler, vous pouvez les négocier, vous pouvez les racheter, mais seules les fournitures livrables seront acceptées. Si vous me ramenez des Black Tea, ce n'est pas des fournitures livrables, c'est achetables. Nous voulons des fournitures livrables. Après, si vous êtes des abrutis, foncez chez les Parnasse. Vous allez voir comment vous allez bien être banni. Trouvez peut-être ailleurs, c'est plus logique. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Boss. Oui. C'est... Ouais. Et il en manque pas. 50 points bonus s'il trouve des fraises. Tu trouves quoi? Non, j'ai mis les à pied là pour l'instant. Quoi, des fraises? J'ai Sébastien devant le... On a cherché, mais on n'a jamais trouvé. D'accord. 50 points bonus si vous trouvez des fraises. Non, pas 50, t'as craqué. 10 points bonus si vous trouvez des fraises. Et 10 points bonus si vous me ramenez une mallette G6. Alors les fraises ont même level que les G6. Ah ben en même temps, là-dessus... C'est rare les fraises, hein. C'est plus facile à trouver. Un point pour chaque chose, 10 points si c'est une fraise, 10 points si c'est une mallette G6. C'est bon pour vous? Alors je veux des... Vous avez jusqu'à 23h45. Bon courage. Et là, imagine, il trouve des fraises. Là, s'il trouve des fraises, Chris, par contre, je suis dégoûté. Les deux qui doivent venir, ils auront une fois en retard. Au final. Petite question, je me suis fait attraper par les filles tout à l'heure avec mon flingue. Il y a moyen d'en acheter un en 2 spies ou pas? Non. Vraiment que c'est le moment là? Bah, pour braquer, c'est plus simple avec un flingue. Mais sinon, tant pis. Installons, ça sera plus facile. Ah, il voulait quoi? Il voulait nous acheter un gun. C'était poétique, ça. Il voulait juste demander en fait, genre ouais. T'es qui toi? Numéro 2. Numéro 2. Épreuve numéro 4. Tu as jusqu'à 23h45 pour nous ramener des objets d'entreprise. Des objets livrables. Donc des objets qui livrent en supérette. Okay. Chaque objet différent t'apporte un point. Si tu rajoutes, tu ramènes 5 objets d'entreprises différentes, c'est 5 points bonus. Tout en sachant que si tu trouves des fraises, c'est 10 points bonus. Et si tu ramènes une mallette G6, c'est 10 points bonus. Tu peux les voler, tu peux négocier, tu peux faire tout ce que tu veux. Et si tu es très con, tu vas braquer les Black Cat, comme ça au moins tu seras banni. Ok, oui, je retiens. Allez hop. Maximum 23h45. Ok, c'est noté. Par contre, j'annonce celui qui arrive à 23h46, c'est que dalle. Tu veux qu'on prenne l'hélico, qu'on aille voir le gars? Ah non, non, vas-y, dis-moi, Jean. Du coup, je voulais voir avec... Je devais voir avec James et Alan, mais vu que t'es là, c'est peut-être plus facile. Est-ce que tu peux me dire quels seraient les délais pour une AK? Les délais pour une AK, je vais regarder ça. Je vais regarder ça, mais je pense qu'il y a au moins 4 à 5 jours. 4 ou 5 jours minimum. Et je répète, hein, vous êtes prioritaire sur les armes, mais là, une AK... Oui, non, mais pas de soucis, 4-5 jours. On dit une oreillette, 8 jours. Ouf, ouais, si on est bon, on est Voilà. 4-5 jours, c'est pas trop long, mais 8 jours. Je peux avoir une gus plus rapidement. Non plus, 9 jours. Ouais, mais la dernière fois, on a pris la gus, c'est bien, mais j'ai envie de tester la gus. On a fait une aujourd'hui, là. C'est le même prix, on est d'accord. C'est 300. La 400 000. Et le chargeur, c'est 10. Oui. Ok. Maintenant, je peux te mettre la prochaine des côtés. Ok. Bah, je veux bien la prochaine de côté avec, avec 10 chargeurs. La prochaine AK des côtés avec 10 chargeurs, c'est noté. C'est bon? Impeccable, pas de souci. Et bah, parfait. Merci, Jean. Salut. Salut. Bon, ils prennent la prochaine AK. Ça marche. Tout le monde. Quelqu'un peut faire la commande sur la compta du coup? Ouais, je m'en... Oui, alors, tu le fais dans 8 jours et la on la garde pour nous. Rien à foutre. Oui, rentrez pas à la commande si on vous demande, même à la commande, mais jamais on leur va, ça va pas quoi. Je sais même pas quelle sauce on va être mangé, je sais même pas quand madame Ilia va revenir, donc à un moment donné, non, non, non. Oui, mais de toute façon. Je dis oui, et dans 8 jours, je trouverai bien une merde à lui dire. Ah, tu sais, c'est compliqué en ce moment. Je vais juste la noter histoire qu'on sache qu'ils nous l'ont demandé et qu'on passe pas commande. Non, mais on verra. Dans 8 jours, on verra. Oui, dans 8 jours, on verra. De toute façon, il aura pas payé, donc il pourra avoir autant qu'il veut. Avec du chargeur. Bon, on va pouvoir aller voir si on en trouve un peu à gauche, à droite. En train de on peut faire le tour des sup, ouais. Allez, le tour des sup, n'hésitez pas à un hélico. Sans déconner. Il y a Jimmy qui est en train d'arriver par contre. Ah oui, putain, on l'a oublié, oui. Il est à pied, les taxis sont fermés, il est en ITT pendant 2 heures. Au pire, on lui donne l'info par téléphone. Et il est à pied? Ah oui. Bon, si vous voulez aller check, moi je peux lui donner les infos. Hein. Je reste à la villa si vous voulez. Il a pas un contact, il prête une bagnole. Tu vas jusqu'à 23h45 pour trouver des objets d'entreprise livrables. C'est-à-dire livrables en supérette. Ok, il en faut combien? Objet que tu ramènes différent te rapporte un point. Donc si tu ramènes des objets du Black Cat, plus et des Yellow, plus et du Zombie, plus, à chaque fois c'est un point. Si tu ramènes une mallette G6, c'est 10 points. Et si tu trouves des fraises, c'est 10 points. Et si je trouve des champis? C'est qui sur la radio? Les champis, c'est... Non, on se m'en bat les couilles. Merde, c'est moi. Bon courage Jimmy, 23h45 maximum. Ok, ça marche. Merci, ouais, normalement il n'y aurait plus un problème. Voilà, c'est bon, c'est géré. Je sais pas qui a compté les points, il faut faire attention parce que les produits livrables en supérette, je prends l'exemple du vignoble, c'est pas du raisin, les livrables en supérette, c'est des cubis. Ouais, le cubis. De toute façon, on les alignera et puis on les fera passer un par un. Ah, il me dit 10 et 3 arrivent. Donc c'est bon, non? 10 et 3. 3? Ouais, mais ah oui, c'est Jean qui dit ça? Ouais. 3 qui arriverait. Et 3, Lenny Anderson. Mais 3, c'est pas possible. Mais non, 3, non, ils sont perdus. En fait, il nous manquait 10 et 2. Et 2, c'est bon, on vient de le voir juste avant. D'ailleurs, je sais pas pourquoi il a pas été coché. Et 10, c'est bon, non? 10, c'est réglé, oui. 10, c'est de la moto qu'on a vu. James m'a dit 2, c'est 0 parce que le boss lui a donné l'ordre de rentrer Villa sans passer par les maths. Oui, c'est ça. En fait, moi, j'en ai entendu parler des gens qui ont braqué le Black Cat la dernière fois au dernier Mano Games. Ah oui? Et en fait, apparemment, ce que ce débile a fait, c'est qu'il est arrivé avec un marteau à la main, à braquer un mec du Black Cat, sauf qu'il y avait Alexandre Parnasse juste derrière avec un gun à la main. Oh, elle est où, Kim? Allez, là. Dans l'hélico. Je ne voyais pas dans l'hélico. T'es ok? Oui, c'est moi. Et je décolle. Ouais, pas sûr, mais dis-moi, tu livrais quoi quand t'étais aux zombies? Des fleurs, pour mon amour. Non, c'est des boîtes de bricolage, je sais pas quoi. Non, c'est des... putain, c'est des... Des putains, d'accord. Non, c'est pas des boîtes à outils, il faut que je vois. Soi, ouais, ça livre des putains direct. Il y a un peu de respect pour les TDS, là, hein. Mais c'est quoi les boîtes à outils, du coup? Benny's, je crois. La question, c'est est-ce qu'ils livraient la même chose que le Benny's? Non, ils livraient pas la même chose que le Benny's. On livrait des pièces, quelque chose, pièces, je sais plus quoi, pièces détachées, un truc comme ça. Ok, d'accord. Il faudra bien faire attention à ça parce qu'on nous ramène un peu tout et n'importe quoi, je pense. Je sais pas si j'aurais braqué sur les supérettes directement dans les entreprises. Hein. Ça va être la guerre. Hein. Là, il y a le vignoble. En vrai, ça va être la guerre. Mais je vois pas de véhicule. C'est obligé que les spies nous appellent. Ou les patrons directement. Non plus. Là, il n'y a personne. Il y a une moto qui remonte vers la Grèce. Ah, peut-être pour le vignoble du coup? Bah, je sais pas. Donc il y avait 3 camions de vignoble. Tuer n'importe quoi, mais. Personne ne s'est pointé. Plus personne ne s'est pointé depuis 10 minutes. Ah oui. Ah les mads. Ouais. Non plus. Ouais, je les ai libérés les maths. De toute façon, il n'y aura plus personne qui va passer. Non plus. Je pense que c'est occupé, on a l'air content. S'il y a personne qui bosse... On va avoir du mouvement Mirror Nord. Hein. Ah. Super. Bye ouais. On se rapproche. Ah, il y a le vignoble sur place avec un vagrant et un véhicule orange. Nickel, un véhicule orange. Bah c'est peut-être le mec qui faisait la sup. Ou alors un rampeau du Black Cat. Qui dit rebonsoir Chapelier, désolé de répondre que maintenant, j'étais renversé par un pecno, je me suis réveillé au BCSES avec 4 heures d'invalidité venant de 4. On n'a pas 4 en or, direction Vanwood. Ou alors 4 était en retard depuis le début non? Oh bah 4 on l'a perdu il y a... 4 on l'a perdu il y a un moment hein. Léon... Oh, je sais pas, ils ont tout grisé. Ou alors Léon, c'est pas celui qui s'est excusé, que t'avais dit de revenir mais qui est jamais revenu? Oh oui, véhicule orange, ouais, c'est un super sport. Hein. Oh, c'est des vignobles, ça encore. Les vignobles, ils sont nombreux là dehors. Là. Ouais. Ils ont kiffé. Non plus. Vagrant se dirige vers la Suprainwood où il y a Yellow Jack. Je vois pas. Il y a Jack sur le côté. Ici sur le côté, il y a des gens en bas. Twitter, il bouge pas, il attend, je sais pas quoi. Il y a 2 mecs en bas, côté d'une voiture, je sais pas s'ils branlent. Ah oui, le wagon est là. Le mec. Ils étaient 2 dedans, je crois. Ah, il y en a un qui sort. Ah, il y en avait déjà un dedans, Franck. Il va se faire chercher directement dans le truc. Non, en vrai, s'ils sont malins, il y a la moto sur le côté. En vrai, s'ils sont malins, il n'y a même pas besoin de le raquer. Hein. Moi, je l'ai fait plein de fois, hein. Ça. Ouais. Tu demandes, tu le payes, et puis voilà. Hein. Après, braquer et foutre la mer. Ouais, non, parce que ça peut foutre la mer, c'est le prochain. Ah, police. Ah, il y a les flics qui arrivent à Vinewood. Il y a une ici qui est sortie du parking à Vinewood quand le vagrant l'attendait sur place. Mais là, ça part direction bureau du pro. Oh là, ça fait des dérives, ça revient. On va regarder côté Sandy, nous. Ouais, ça s'intéresse, les flics. Je pense qu'ils ont plus les flics. Ouais, ça court dans là-dessus, quoi. On avait vu du monde haut aussi sur la grette. Ouais, l'hélico juste au-dessus de nous, c'est Jade, je pense. Ouais, je crois que c'est celui de Jade. On va faire le plein au moment aussi. Oh putain, oui, j'avais pas vu. Attends, on a de la marge. Hein. Seigneur Parnasse, comment allez-vous? Ah. Bien et vous? Il y a un débile qui a braqué chez vous? Oh non, 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 il a demandé à G6 s'ils avaient des affaires à nous. On n'en peut plus de... Eh, vous savez qu'on me racontait que la dernière fois, il y a un abruti qui était venu au marteau et votre femme, elle lui avait dit « Pose ça, connard !» avec une grosse arme. Oh, c'est possible. Ah, c'est même sûr, on me l'a confirmé. Ah, là. Ah, j'ai eu mieux. Il y a un mec qui a voulu... qui arrivait dans une supérette alors qu'elle était en train de livrer. Oui. Et il lui fait, je pense que c'est le moment de sortir, mais avec une voix un peu grave comme ça. D'accord. Et Alexandra lui dit, mais je pense que, enfin, avec une voix comme ça, on dirait que vous allez me faire des choses. Puis il la regarde et il fait, oh, bon, c'est possible. Et Alexandra lui répond, mais vous savez qui je suis? Il fait, oui, madame Parnasse, j'ai peur de votre mari, donc je vais rien faire. Titre indicatif, et Alexandra lui demande, mais pourquoi vous avez peur de mon mari? Bah parce qu'il tire sur les gens, Black Cat. Sandra lui répond non, c'est pas lui, c'est moi. Il est parti. Ah oui, d'accord. Moi je peux plus rien dire à part ça. Hein, Mais donc votre gars apparemment il est reparti bredouille. Hein, Mais bon, ici, après demander à des agents de G6 si on travaille pour nous. Enfin s'ils travaillent pour Black Cat, ça marche pas. Si c'est Agop, on va pouvoir faire mes hommages. Je l'aurais dit, si vous êtes con, vous braquez les Parnasses, comme ça vous serez banni. Voilà, et je pensais pas qu'ils iraient voir les G6. Mais le problème c'est qu'il y a G6 vu qu'il y a la soirée. Après, si vraiment ça te fait plaisir, Alan. Pour rentrer au Black Cat, il faut passer d'abord par G6. Ouais, donc ils ont tenté, vu qu'il y a la soirée chez vous, ils ont tenté d'y aller comme des blaireaux en mode excusez-moi, c'est pour braquer. Il y en a un qui a tenté de savoir si. Oh, non, c'était gentil, hein, c'était pas un braquage, hein, c'est gentil. Parce que... ouais frère, tu veux bien me passer un truc? On va débloquer. Mais un agent de G6. Ça marche pas bien. Faut que réparer son hélico, c'est un hélico volé. Ça me manquait pas la radio. Après je pense que c'est des votes vu... ça va encore aller calme là pour le coup. Oui, vu les habits, oui, je voulais qu'ils soient reconnaissables en cas des problèmes. Oui, c'est important. Voilà, comme ça je sais d'où vient la merde. Voilà. Très bien. Voilà, voilà. Bon bah... Eh ben écoutez, bon courage, hein, mais lui, à mon avis, il a pas gagné. Bonne journée, au revoir. Bonne soirée, au revoir. Maintenant, il s'est pointé au Black Cat et il a dit oui. Mais au Black Cat directement? Oui, et il y avait G6 une soirée, il a dit excusez-moi frère, tu peux me filer des trucs. Ah ouais. J'ai un hélico derrière moi, ça nous. On va pas l'hélico négatif. Ça fait 20 minutes que je te suis. Ah oui, d'accord. Arrêtez de me faire du rentre dedans, s'il te plaît, ouais. Vous avez quand même pas ken dans les airs, les gars. Nos amis de job. Hein. Vous voyez ça après les heures de travail, s'il vous plaît. Dans ton appartement, Alan. Et pas chez moi. Ça, rassure, chef. Il y a un mec je pense du zombie, qui envoie un message à James, il me dit... il y a quelqu'un qui m'appelle pour me demander si je dois fournir un gars qui lui demande des batteries. C'est-à-dire qu'il y a un de nos deux gars là qui a essayé de braquer le zombie et le zombie appelle James sans savoir s'il doit le fournir. Rien compris, moi. Des batteries? Ouais, les batteries, je pense que c'est zombie, non? C'est pas du tout. Ah, c'est Evolt? Ouais, pour moi, ce serait Evolt peut-être les batteries, oui. Mec, le mec se fait braquer, son réflexe c'est d'appeler James savoir s'il doit fournir ou pas. On se pose sur le plein Sandy. Il y a des trucs qui me dépassent ce soir. Ah, ce qui me dépasse, c'est quand même le mec qui a débarqué au Black Cat à la pleine soirée en mode file-moi des trucs. Ça se trouve, il a peut-être pris ça comme un défi quand tu lui as dit si vous êtes con, vous allez au Black Cat. Non, mais apparemment, c'était en mode des. Moi je suis con, je vais y aller. Moi je suis con, j'y vais. Imagine le mec qui rentre dans les cuisines pendant la soirée là pour aller taxer des souhaits là. Ouais, bah ça rentre, puis il va se recevoir lui. Hein. Oh la vache. Prochain Manogas, faut mettre l'épreuve éliminatoire côté Black Cat et les Parnasse. Lui qui sauve Madame Parnasse, c'est ça? Un entretien avec Madame Parnasse si vous sortez vivant. En 1000 SMS avec un wagon bleu. En vrai, le mec qui braque G6. Ah, c'est vraiment qui tue double là. Je prends un cachet pour la tête et on est reparti. C'est bien reçu. Et 10-4. Je regarde, elle annonce déjà le mal de crâne. Hein. Ah, ça fait une demi-heure qu'il est en train de me taper dans le crâne d'ailleurs. Je me suis dit que c'était le temps d'aller prendre un cachet, ouais. Ah, il y a la Grapside aussi. Eh ben, y'a rien à braquer. Tu peux... Ouais, ils ont des bidons de sang dans leur truc là. Ok. Oh, moi, il va faire un drift incroyable là. Oh, l'arrivée. Oh, moi je serais pas sereine, hein. Leur pétrole il est en bidon et tu peux récupérer des bidons. Et d'ailleurs, bah, quand on était resté là, les bidons c'était un des trucs qu'ils reprenaient. Ok. Mais pas bien cher. Hein. Sirène. Donc quelqu'un laisse HMS, mais je vois pas de véhicule autour. En vrai, je sais pas quoi m'attendre. Par rapport à... Bah tout. Au classement? Oui, non, non, mais là, est-ce qu'il y a des mecs qui vont ramener des trucs de fou ou pas? Bah, il y a déjà Malade G6 confirmé. Après... Ah, les voitures qui remontent à contre-temps. Bah, si Agop ramène une maille G6, il va se mettre bien. Hein. Ah, bah oui. Personne ici. Vous avez vu un véhicule remonter à contresens vers 1000? Ouais. J'entends un hélico dans mon cul. Voilà, pas les taux, ça me fait trop penser au Go Fast. Dans la Go Fast, moto, il y a moins que ce soit à nous, je crois avoir vu du bleu dessus. Bon, peut-être, ouais, ça a l'air très bleu, ouais. 0, on part de Villa. 10-4. Bientôt. On y était, il n'y a rien à la sub de Paletto. Là, on suit une moto qui semblerait être à nous, qui remonte vers 1000. Ah, il demande d'arrêter sur le bord de la route. D'identification pour un Swift noir sur la commune. On est au-dessus de vous. Sur Paletto, c'est moi. Bah, t'as le BC qui t'appelle sur la 10. Ouais, oui. J'ai pas la 10, hein. Moi je l'ai. Ah bah, voilà, run. Et s'il va faire un drift en 1000 comme il a fait à Grapsil. Oh, ça va vite ça. Il n'y avait pas l'eau que j'ai pas fait aussi. Toujours personne. Il reste une demi-heure, c'est ça? Il reste une demi-heure, c'est ça. Donc d'ici 20 minutes, nous on va rentrer tranquillou. Personne. Ouais, ça a achevé ça, Franck. Dis-moi, Jean. Oula. Oui, excuse-moi, est-ce que c'est vous qui êtes passé au-dessus du quartier là avec un double hélico? Est-ce que c'est nous passé au-dessus de chez toi avec double hélico? C'est possible, on a au moins 4 ou 5 hélicos en vol. On est passé près de chez lui, oui, non, on est passé Verré Rouge, on est passé pas loin avec un hélico noir. D'accord, nous on a vu Verré Rouge. Il est plus gris le mien, mais il y a les flics en face. Ouais, bah, okay. On a 5 hélicos en l'air là, donc je t'avoue que c'est possible, ce sont nous. Ok. Voilà. Pas de soucis. Merci. Bon, je signale qu'il faut éviter de passer devant chez toi. Ouais, merci. Du grognon, je viens là, c'est réglé. À tous, évitez de passer devant chez les Mads. Il y a Jean, il me fait un caca nerveux. On est passé très loin de chez lui, on est pas passé au-dessus. Hein. Ouais. On est passé au-dessus de l'autoroute. Ah, bah ouais. C'est quoi, c'est les flics ça? Dondé. Derrière nous. Non, c'est pas. Il y a peut-être moyen que derrière, si. Il y a peut-être moyen que derrière, ce soit les flics, oui. Au-dessus de Mirror là-bas. Il y a un autre hélico à nous, au niveau Mirror. Attends, il arrive, je vais vite savoir. Vas-y, vas-y. Ah, pas Mirror, non. Je fais un face-face. Ouais, c'est Hector, c'est Hector. Oui, il y a un Zozo qui nous suit là. Il est où? Ouais, c'est Hector, il est juste à notre gauche, qui est au-dessus de la supérette là. Sur Radio 10, salut Hector. Au-dessus de la Yod. À l'écoute. Je disais bonjour parce que je suis quelqu'un d'époli. Bonjour, oui. C'est Condor ça, non? Non, c'est Hector. Vous êtes le Condor ou le Swift? Je suis les deux. Ah d'accord, je peux avoir une identité. Je peux vous donner mon identité en effet, Charles Collins, on m'appelle Miguel, boss des Los Santos si vous préférez. Ouais, c'est reçu Hector. Et j'ai 2 à 3 autres hélicos dans les ciels ce soir. Ouais, c'est bien reçu. Un blé efficace. Tout moi. Pour info, je suis posé en 80-89. James se rince les yeux et je passe au Benny's vite fait après derrière. Pourquoi il va réparer ça? Il est micro-volé. Mais je comprends pas, il l'a défoncé son hélico, c'est pas possible. Il y a mon migrette, on dirait. Oh, il y a une voiture qui vient de se prendre un poteau en dessous là. Wow, me fait peur. Ouais. Je sais qu'un Swift ça va beaucoup plus vite, mais quand même. Senior O'Brien, comment allez-vous? Ah, le commissaire. Ça fait longtemps que personne ne m'avait appelé. Au moins 4 minutes. De quoi? Bah, tout le monde m'appelle, je sais pas pourquoi. Mais pourquoi on vous appelle? Bah, parce que j'organise les Mano Games. Ah oui, oui. Vous avez vu? Pas un policier blessé. Non. Après, il y a des agressions sur des civils. Non. Ah si, ça sort du neuf. Hein. Ah oui, mais ils sont débiles aussi. Ah bah ouais. Là, ils sont débiles, oui. Du coup, mais je leur ai dit, dans la vie, on peut négocier ou braquer, à vous de décider. Après ce qu'ils font... Ah non, mais il y en a, ils sortent même pas d'armes, mais ils donnent 1000 $, quoi. Il y en a, ils braquent. Oui. Ça, c'est après... C'est à vous, tous les hélicoptères, hein, ce que j'ai compris? Ouais, on fait des petits Ojoland. D'accord. Oui, non, la dernière fois que j'ai entendu cette musique, c'était... Ouais, c'est... Bah non. Vous aimez bien l'odeur du napalm au petit matin? Ah non, je crame personne, c'est juste pour mieux suivre mon enquête exclusive. D'accord. Ça va durer longtemps ou pas? Non, d'ici 20 minutes, c'est fini. D'accord, ok. Bon, bah parfait. D'accord. Mais c'est... Oui, ça va, il y a juste 4 hélicoptères dans les airs, ça va. Des quoi, pardon? Ça faisait un moment que je n'avais pas eu au téléphone. C'est vrai. Oui, ça fait un moment que j'ai pas fait de bêtises. J'ai presque un casier pour pouvoir me présenter en politique. Bah c'est foutu. Alors les élections sont déjà passées. Ah, il y a les prochaines mairies. Ah, la prochaine mairie. Je peux être maire. Je voulais faire gouverneur, mais il semblerait que monsieur Parnasse, il ait fait virer plus vite que la lumière. Bah c'est pas monsieur Parnasse, hein, c'est l'autre hein, qui s'est viré tout seul. Hein, quoi. Il a réussi. Hein. Ouais. C'est compliqué, hein. Bon, il a été aidé un peu, il est débile. Hein. Je lui ai dit, il voulait faire sauter ces putains des comités. Et il a raison, les comités, c'est de la merde. À part des décisions patronales, ça ne sert à rien d'autre. C'est la façon que les gouverneurs servent à rien, c'est tout. Un gouverneur, il assume ses couilles, et puis derrière, il se passe ce qui se passe. Bref. Oui, alors rendez-vous, c'est à 45. L'Assemblée ne décide pas des lois, de toute façon, quoi qu'il en soit. Et ils ont juste sur le code des institutions, pas les lois. Ils ont que ça sur l'Assemblée. Et encore, c'est un vote. Après, le gouverneur, s'il a envie de dire, c'est 45. Écoutez, mais j'ai envie de faire à ma façon, la loi, elle aura été respectée, puisqu'il avait quand même convoqué l'Assemblée. Ma question, c'est pourquoi il a été licencié alors? Bah, il était licencié parce que, en fait, il a fait sauter, d'après le bureau du procureur, parce que c'est pas moi qui m'en ai occupé, hein. La loi, il l'a fait sauter, mais le problème, c'est que sans rassembler la commission avant, donc en gros, ça a leur avis. Donc, la commission, vous dites, c'est pas grave, puisqu'à la fin, c'est lui qui décide, et il fait ce qu'il veut avec les lois, mais si il fait sauter une loi sans avoir convoqué la commission, dont il était même pas obligé de l'écouter, il est donc viré. Oui, donc si ça s'appelle pas... Mais ça suivait la loi. Si ça s'appelle pas une branlette intellectuelle... C'est de la police. Je pas vous que je vais vous apprendre ça. Oh, c'est tout ce que je déteste, c'est-à-dire que là, on a tout autant de personnes qui n'ont pas des couilles et qui jouent sur 2 mots et demi. Vous savez, c'est comme si à chaque fois que vous m'arrêtez, je criais... Je veux mon avocat, vous n'avez pas fait ça à la seconde près, et procédure foirée, je sors. Imaginez, c'est exactement ce qui s'est passé pour ces gouverneurs. C'est-à-dire que plutôt que... Après, il s'est bien couillé aussi tout seul, hein, après... Ah oui, il peut se couiller tout seul s'il veut, c'est pas un problème. Moi, je dis juste que, comment vous voulez que... Après, ça va chialer que personne n'y va en politique, mais pas de problème. Avec des choses comme ça, il n'y a personne qui va y aller, puisque de toute façon, il y a 3 ou 4 patrons qui décident pour l'ensemble. Donc personne n'y va aller en politique, puisque personne ne peut rien changer. Aujourd'hui, personne ne peut rien changer. Le gouverneur, il est censé pouvoir changer les lois. Il change une loi, il s'est fait virer parce que dans l'administratif du code des institutions, d'ailleurs, une loi qui avait été modifiée par M. Loaneo sans accord fédéral. Donc, de toute façon, c'est de la branlette du début à la fin. Il y a 3 hommes qui décident dans cette ville. Il n'y a pas tout le temps d'accord sur demande fédérale. Oui, bien sûr. On a des lois fédérales qui sont données par les fédéraux. Il y a ce que M. Parnasse dit et il y a le reste. Hector, si vous êtes commissaire, c'est parce que M. Parnasse vous a placé entre vous. Non, c'est un nom. Il n'y a pas eu besoin qu'il me place. Après, ils en avaient besoin, donc oui, c'est pas un souci. Bah après, il a été écouté plusieurs personnes. Après, oui, c'est peut-être M. Parnasse qui m'a placé. Mais en soi, c'est un parti politique. Moi, vous savez, ça ne change rien pour moi parce que je m'en bats les couilles. Mais je comprends que personne ne veut y aller en politique. Le gouverneur, il a un poste qui ne sert à rien, il ne peut rien faire. Et vous allez me dire, si, il gère les lois. Non, c'est faux, il a modifié une loi, bim, viré. Donc il faut arrêter l'économie. Il ne peut pas toucher comme il veut au code des institutions, puisque c'est un truc de l'Assemblée. Ça, le code des institutions, il a été écrit par qui? Loaneo II et Monsieur Parnasse. On arrête les bêtises. Par moi et Monsieur Parnasse. Ben voilà, donc c'est de la branlette du début à la fin. Votre code des institutions, c'est clairement un blocage pour empêcher que le gouverneur serve à quelque chose et donc que les patrons puissent décider. Le code des le code des institutions, il est fait pour bloquer toute possibilité politique. Ah bah oui. Fin de chantier, le gouverneur ne peut rien décider, un maire ne peut rien décider, tout ça pour s'assurer du bon choix du commissaire ou du shérif qui ne peut pas prendre un coup de pression depuis le gouverneur ou un maire et qui ne peut pas être licencié. Un coup de pression par un gouvernement. Mais il va vous faire quoi comme coup de pression? Attention O'Brien, si vous continuez, je vous mets en blâme. Il faut 2 commissions pour envisager de vous licencier. Une première qui valide, mais bien sûr que si. Est-ce que... Pardon, un maire ou un gouverneur, il peut vous virer comme ça s'il en a envie? Si aujourd'hui je ne tire pas sur la politique de sécurité qu'il met en place, je suis désolé, aujourd'hui un gouverneur qui porte ses couilles peut arriver et dire au maire de dire écoutez, j'ai mis une politique de sécurité, elle n'est pas en place, vous me virez commissaire. Mais aujourd'hui, tous ceux qui montent là-haut... Il peut pas. Non, c'est faux. La loi, elle dit que c'est la commission qui doit, à l'unanimité... Non, c'est des bêtises. C'est des bêtises, qu'est-ce que vous dites, monsieur O'Brien? C'est des bêtises. C'est la commission qui doit justifier et décider si la personne est licenciée ou non. Donc, ce n'est pas le maire ou le gouverneur, il doit arriver devant 10 putains de chefs d'entreprise et dire « Je vous demande gentiment de m'écouter. » Mais bien sûr que si, c'est de la baise. C'est que... Mais mon cul, c'est que des gens qui sont placés par les mêmes personnes, seigneur O'Brien. C'est que des gens placés par les mêmes personnes. Mais arrêtez. Mais vous racontez n'importe quoi. Mais personne va se lancer. Ou on est avec Parnasse, Monsieur Chinchon et vous, ou on est baisé. Arrêtez les bêtises. Mais vous êtes dedans jusqu'au cou, Seigneur O'Brien. Qu'est-ce que vous racontez? La preuve, il faut bien s'afficher Mérigouve. D'accord. Ok, je suis d'accord. Donc, aujourd'hui, c'est très simple. Même un maire ne peut pas dire, Monsieur les commissaires, ce que vous faites n'est pas bon, je vais vous mettre un blâme ou je vais vous mettre un coup de pression. C'est faux. Il doit aller voir la commission et dire « J'ai dit à monsieur le commissaire que ça serait bien qu'il fasse ça. Oh là là, vous jouez sur les mots, monsieur le maire. » Il doit justifier tout. Il doit justifier tout. Mais les blâmes, moi j'en ai pris des blâmes. J'en ai pris un blâme. Je suis pas passé en commission, qu'est-ce que vous me racontez? J'ai pris un blâme, je suis pas passé en commission. Mais après, ça va encore chialouser que personne... ne veut se présenter maire du Sud, maire du Nord, gouverneur. Mais parce que vous avez M. O'Brien, vous et M. Parnasse avez biaisé le système lors de votre mandat. D'accord. Vous avez créé une loi qui a biaisé les systèmes. Et depuis, non, toute personne qui souhaite modifier ou apporter un tant soit peu, il est automatiquement étouffé dans l'œuf. Pensez-le. Ah bah c'est pas que je le pense, il n'y a pas que moi qui le pense. Oui, bah, je vous assure qu'une grosse partie de la population le pense. Bah, pourquoi ils n'ont pas voté pour l'autre alors? Ah, si la moitié de la population le pense, pourquoi déjà personne se va contre M. Parnasse? Vous connaissez les gens, ils n'ont pas envie de se battre. Bah alors ça sert à rien d'avoir des convictions alors dans la vie alors. Alors s'ils décident d'être que des moutons et pas des lions, bah qu'est-ce que je vous dise moi? Et bah, on laisse les lions actuels diriger sur les civils et on va laisser les lions criminels actuels comme moi diriger les criminels. Fin de chantier. Bah oui, c'est malheureusement aujourd'hui. Mais vous, entendre qu'on peut faire ce qu'on veut et qu'un gouverneur fait ce qu'il veut, c'est faux. Ouais, moi je pense qu'aujourd'hui un gouverneur peut faire ce qu'il veut. Ouais. J'en suis encore. La commission bloque tout. Quand il se fait piéger pour un mot, une phrase, une action, un bout de ligne, l'article 42-3, alinéa C, paragraphe 3, sous prétexte 8, et par rapport à chose qui s'est passée il y a 12 ans et demi, par rapport au l'avocat qui l'avait dit que peu importe ce qu'il choisit, le gouverneur, peu importe ce qu'il aurait fait, il serait fait baiser. Dans tous les cas, il se serait fait baiser avec de la merde. Surtout qu'il avait fait une loi pour protéger le gouverneur, mais le proche n'a pas compris. Sa loi sur la... Attendez, il a pondu une loi sur le cannabis. Mm-hmm. Est-ce que l'Assemblée ne lui a rien demandé, il lui a rien dit. Mm-hmm. Il l'a passé sa loi alliée. Mm-hmm. Donc en quoi il peut pas passer des lois? Alors oui, alors si vous me dites coup de pression sur les mairies, sur les commissaires, déjà bah, c'est à lui de mettre les coups de pression à la mairie. Et ils peuvent le faire, mais c'est juste que personne s'occupe des mairies à chaque fois. On va pas se le cacher. À chaque fois, excusez-moi, mais on est passé de neige à Hayes. Le gouvernement le dernier gouvernement, son vice-gouverneur, il a fait un mois parce qu'il est venu vous parler. Oui. Et de ce que j'ai compris, c'est l'autre qui l'a poussé à lui dire vas-y, ouais. Alors, même entre eux, ils se bouffent la gueule. Mais ça, c'est pas le sujet initial. Mais c'est pas le sujet initial, mais aujourd'hui, vous pouvez pas me dire que vous pouvez pas changer des lois. Des lois sont possibles, ajustables ou quoi que ce soit. Après, y a à vous de l'amener bien comme il faut dans l'Assemblée et pour niquer Parnasse. Mais c'est facile de niquer Parnasse. Vous comprenez bien que ma volonté n'est pas de niquer Parnasse. Moi, je m'en bats les couilles. Mais je vous parle en termes politiques purs. Mais en termes politiques purs, moi j'ai dit au gouverneur, enfin l'ancien gouverneur, vous savez ce qu'il aurait dû faire? Trouver un moyen de pression, c'est-à-dire créer des lois à la con, inchangeables, qui pourrissent les entreprises jusqu'à ce qu'ils puissent discuter avec M. Parnasse ou un autre pour lui dire voilà. Le chef, c'est moi, ferme ta gueule. Maintenant, on va faire sauter cette commission, tu vas la valider. Mais à partir de là, lui, il a préféré dire j'y vais franco de port, je modifie la loi. Mais en soi, si lui, il peut promulguer les lois, il promulgue une loi disant qu'il a l'immunité et que dans la foulée, il invalide une ancienne loi, alors le bureau du procureur, en tentant de les mettre démissionnaires, est en infraction. Et non, parce qu'en fait, la loi qu'il a mis... On va se rentrer tranquille de toute façon. Il l'a mis après avoir été convoqué et qu'il y avait l'enquête. Donc c'est un peu trop... Alors ma question est la suivante. Vous êtes juge ou gouverneur? Moi je suis pas juge. Non, moi, vous faites appliquer. Vous bossez pour qui? Pour les gouverneurs. Pas pour le bureau du procureur. Si le gouverneur il vous dit... Ah non, et la mairie bosse pour les gouverneurs. Oui. Donc si le gouverneur il dit au chef de la police, je veux des hommes armés qui me défendent face au procureur, votre seul choix est le suivant, mettre des hommes armés qui protègent les gouverneurs. Écoutez les procureurs, lorsque le gouverneur donne un ordre inverse, c'est se mettre hors la loi. Seul un marshal peut passer par-dessus. Donc c'est de la complaisance des forces de l'ordre avec le bureau du procureur qui est censé être indépendant. Le bureau du procureur ne peut rendre que des sanctions, mais elle ne peut pas donner d'ordre à la police. Si le gouverneur donne un contre-ordre à la police doit écouter les gouvernadors. Et donc là, Mais moi, encore une fois, je m'en bats les couilles. C'est là où il est débile, l'ancien gouverneur. C'est que s'il creusait de ces côtés-là, eh ben, il avait presque moyen de faire mettre en prison plusieurs personnes. Parce que toutes les personnes qui, à ce moment-là... Et tout ça, ça se prépare aussi. Le problème, c'est que ça se fait pas en une semaine. Oui, alors... Ah si. Bah, vous savez, moi, ce qui me dérange le plus dans tout ça, et ce que vous dites est pas faux, hein, tout est faisable de toute façon sur Los Santos, et vous le savez. Moi, ce qui me dérange, c'est... on va parler de l'ex-gouverneur. Vous comprenez bien que l'ex-gouverneur, il a tenté un truc. Oui, une semaine avant de partir, en se disant, de toute façon, j'ai rien à perdre. Il s'est fait poutrer par le comité des patrons, dirigé plus ou moins par Parnasse, qui aujourd'hui est le plus gros groupe politique qui existe. Vespucci, poste de Vespucci. Résultat, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez que quelqu'un aille tenter quelque chose dans les 10 prochaines années? Ben, personne. Est-ce que tu veux qu'on fasse rentrer et qu'on récupère ce qu'il a ou pas? Ouais, vous pouvez commencer. Allez, je vais sortir. Que dalle. Bah moi je peux vous parier ce que vous voulez. Il n'y a personne. À partir du moment où cette commission... Moi pour moi cette commission n'a pas lieu d'être. Cette commission, un chef d'entreprise, n'a rien à foutre. Tout comme un représentant employé dans une commission gouvernementale. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est une commission avec le lobbyiste d'entreprise et le lobbyiste d'employé, qui va valider ou invalider ce que décide un gouverneur élu de façon républicaine. Donc, les gens vont aux urnes, votent pour un gouverneur, parce que moi, je n'ai pas voté pour Jean-Louis, Jean-Jacques, représentant syndical, ou Jean-Michel, patron chez Petroleum. Moi, j'ai voté pour un gouverneur. Le gouverneur, il est élu, d'accord, de façon démocratique. On est d'accord. D'accord? Mais il y a une commission pour laquelle personne n'a voté, personne, que dalle. Ah si. Alors qui? Des gens en interne d'entreprise? Non, non. La population n'a pas voté pour ces gens, bah, monsieur. Les gens, alors... Et qu'il y ait des salariés chez Ron qui ont voté pour un représentant syndical et qu'entre toutes les entreprises... Mais non, non, c'est pas un vote ça, monsieur. Tout, ouais, non, non, c'est un vote biaisé. C'est pas... Non, 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 non. Non, non, non. Ouais, prendre des petits groupes pour prendre un délégué qui lui-même va avoir... Non, non, c'est des bêtises. C'est toutes les gens... toutes les entreprises qui votent et même le service public. Mais non, c'est des bêtises. Aujourd'hui, la population ne vote pas pour ces gens. La population, aujourd'hui, elle vote pour un maire ou un gouverneur. Oui, qu'une commission de complaisance et d'arrangement de lobbyistes puisse avoir son mot à dire sur le gouvernement... Rien qu'en soi, ça n'a rien de légal. Ah bah tiens. Moi, je n'ai pas voté. Moi, je n'ai pas voté pour Pierre, Paul, Jacques, et je m'en fous. Que ça soit vous, monsieur Parnasse, le premier connard venu, ou... J'en ai rien à foutre de qui. Mais pour les principes, aujourd'hui, la légalité de cette putain des instances n'existe pas. Il n'y a rien de démocratique... Dans le représentant des patrons, le représentant des employés, le représentant du syndicat, le représentant du pouvoir public. Ce n'est pas un vote démocratique, c'est un vote de complaisance interne. Ça ne représente rien, ça représente une entreprise, pas une population. Il n'y a pas de représentant des services publics. Ça ne représente en rien un vote démocratique. Ils se braquent entre eux. Donc, pour moi, cette commission n'a pas lieu d'être. Je peux t'attendre 2 secondes. Après, pour d'autres, peut-être que... Ah bah, c'est pas pour d'autres. Et si on n'est pas dans une dictature, ça n'a pas lieu d'être. C'est anticonstitutionnel, en fait. C'est aujourd'hui, cette putain des trucs, peu importe par qui elle est tenue, je m'en fous, elle est anticonstitutionnelle. Elle va à l'encontre, aujourd'hui, de la Constitution américaine, et elle va à l'encontre, aujourd'hui, du fonctionnement d'un vote démocratique. Dis-moi, animal. Et s'ils se braquent entre eux devant la villa, t'autorises ou t'autorises pas? Non, non, ils vont se faire enculer, ils se braquent pas devant la villa. Ok. Ah, si je le dis, si je le dis... C'est ce que vous pensez. Ah, c'est pas ce que je pense, Seigneur O'Brien. Vous trouvez ça constitutionnel? on n'est pas d'accord sur ce point-là, mais c'est pas un souci. Si les mecs ils sont braqués ou pas, Hannibal. C'est vous qui le pensez comme ça. Moi, donc vous avez voté pour les gens de cette commission. Non, parce que les états-majors n'ont pas le droit d'avoir de représentants syndicales. Ah, magnifique. Moi non plus, j'ai pas voté. Moi, j'ai pas... Voilà. Non, non, mais attendez. Vous n'avez pas voté pour la commission. Je n'ai pas voté pour cette commission. Mais cette commission décide ce qui est bon pour moi ou pas, puisque c'est elle qui valide ce que peut ou ne peut pas faire le gouverneur. Sur les codes des institutions. Donc, sur le fonctionnement... Non, non, mais le code des institutions... Sans toucher aux lois Marshall. Le code des institutions, c'est bien quoi? C'est comment peut ou ne peut pas fonctionner l'État. Donc, ce sont des personnes privées, du lobbying, d'accord? Donc, je le remets, hein. Lobbying, si je dois vous faire la définition, pratique consistant à organiser des groupes de pression auprès d'autorités politiques afin de défendre des intérêts économiques professionnels. Donc, la définition, c'est bien ça. La commission, elle est là pour défendre des intérêts économiques professionnels et personnels. Puisque c'est des gens externes qui choisissent et qui valident ou invalident des décisions prises par quelqu'un qui est élu. Sur une certaine partie des lois. Bah, sur toutes les... Bah si. À toutes les lois. Si. Elle permet d'imposer au gouverneur des choses sur toute la partie de la gestion du gouverneur. Oui, donc sur pas toutes les lois. Donc ça veut dire qu'il ne peut rien faire en rapport avec son métier de gouverneur. Puisque toute loi qui viendrait à l'encontre du lobbying en lui-même, de cette commission, entraîne automatiquement son licenciement. Donc, si lui dit « Je ne suis pas d'accord avec ça », finito. S'il dit « Je souhaite virer les shérifs, il a fait n'importe quoi pour moi, mais il est aidé par ses copains du lobbying, je les vire quand même », finito. Tout ce qui touche, c'est ce qu'on appelle de l'ingérence. Mais après ça, on va me dire « Non, mais vous savez, moi, à un moment donné, j'aimerais un jour faire de la politique. » Je suis pas sûr que vous y arriverez. Ah bon, pourquoi? Bah, et le problème, c'est les 30 jours pour vous, vous le savez. C'est ça qui est... Bah oui, c'est un peu chiant. Et, mais sinon, bah, peut-être qu'un jour, vous ferez de la politique. Bah, peut-être. Pourquoi pas? Si j'ai le temps, peut-être. Je trouverais ça très drôle. Je ferai un jour, ouais, moi, je l'ai fait, ouais. Fatigué. Maintenant, de toute façon, si, imaginez que je suis élu. Je me présente en tant que gouverneur. Je suis élu. J'arrive et je dis, la commission, je suis pas d'accord, vous avez rien d'illégal et de démocratique. Fini. Allez hop, j'aurais fait 1 heure. Donc ça sert à rien. Aujourd'hui, un gouverneur, il a l'intérêt qu'il est proche d'une moule. Il n'a aucun intérêt. Parce que si jamais il ose, parce qu'en fait, c'est vrai patron, c'est la commission. Donc le gouverneur, c'est pas celui qui décide pour l'État. C'est le pantin qui regarde à gauche à la commission qui dit c'est bon. Ok. La commission elle a dit oui. La commission elle a dit non. Donc. Mais en fait, je suis même pas sûr que ce soit en accord avec la constitution des yeux, ça. Non, la constitution dit l'inverse. Seigneur et O'Brien, je vous laisse. Mes hommes étaient en train de dire à côté de moi, vous n'entendez pas que la constitution américaine dit même l'inverse. C'est la séparation des pouvoirs. La séparation des pouvoirs. Il y a beaucoup de choses qu'a dit la Constitution c'est totalement illégal. Ce qu'ils ont fait en fait au niveau des États-Unis, c'est complètement illégal. Ils ont mis ça en place quand ils étaient au pouvoir pour être sûr d'avoir le pouvoir, même quand ils n'y sont pas. Bah, on fait déjà pas grand-chose. Oui, oui. Donc en fait, ça sert à rien d'avoir un gouverneur. Pas grand-chose des plus, pas grand-chose des moins, vous savez. C'est un peu tiré par les cheveux, est-ce que vous me dites, monsieur? C'est pas faux, là c'est un peu... Ouais, ouais, là si vous voulez... Mais techniquement... Techniquement, il y a peut-être des choses à revoir, peut-être. Techniquement, la meilleure place, c'est potentiellement, et encore, un maire. Et encore. Mmh. Techniquement, vous savez quelles sont les 2 meilleures places à Los Santos qui fait des voix quelqu'un d'intouchable? Les procureurs ont plus de pouvoir que le gouverneur. Procureur, parce que procureur a plus des pouvoirs qu'un gouverneur. Et shérif ou commissaire, parce que techniquement invirable. Faudrait vraiment être un abruti pour se faire virer. Oui, mais il y en a eu. Oui, bah oui, des abrutis, oui. Oui, ah, oui. Et les deux mères sont à SAP aussi. C'est ça. Allez, sur ce, je vous laisse, j'ai du boulot. Dans la commission, il y a majorité de la SAP aussi. Bon, il dit c'est pas lui. Lui, il pense que je fais une chasse aux sorcières à Seigneur Parnasse. Mais je m'en bats les couilles de Seigneur Parnasse. C'est même pas une chasse aux sorcières des Monsieur Parnasse. C'est que clairement, aujourd'hui, moi, c'est mon avis. Et au-delà d'être mon avis, je pense que c'est un fait. Bah, la commission, c'est du lobbying. Les gens qui allaient lire l'article où l'ex-gouverneur témoigne, c'est exactement ça. Hein. C'est je fais des lois, mais le procureur se lèche, se torche le cul avec, alors je suis gouverneur. Non, donc mais en fait, le pouvoir est à la commission et au procureur, pas au gouverneur. Non, 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 non. Ce qu'il a fait, il a créé une loi après qu'une enquête soit sur lui. Donc la loi, elle est forcément invalidée, puisque il y a une enquête, on me dit, il y a une enquête sur vous, et il dit, je fais une loi qui dit, je suis intouchable pendant mon mandat. C'est l'inverse s'il n'était pas débile. Il fait d'abord une loi qui dit je suis intouchable pendant mon mandat, on pourra me poser des questions que après. Puis ensuite, donc ce que je veux dire, c'est qu'il est un peu teuteux sur les bords. Maintenant, il n'empêche que cette commission, c'est du lobbying. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette commission donne et dit si oui ou non. Donc des gens qui ne sont pas élus, d'accord? Donc c'est des gens que personne n'a élus. Alors on te dit, si en interne de chaque entreprise, ils ont élu. Oui. Donc c'est pas les citoyens qui ont élu, c'est des groupes privés qui ont élu des personnes qui disent à un gouverneur, qui lui est élu par la population, ce qu'il peut ou ne pas faire. Et si donc, ça leur plaît pas, ils se virent. Donc c'est du lobbying. C'est des entreprises privées, c'est des groupes privés, des gens privés qui défendent des intérêts économiques professionnels. Et puis sûrement que dans l'entreprise, il y a de la pression en disant « bah tu fais ce qu'on dit, sinon tu changes d'entreprise et comme on connaît tout le monde, tu travailleras nulle part. » Moi, après, je m'en bats les couilles. Mais après, ça veut dire que personne n'y veut se présenter. Mairie du Sud, Mairie du Nord, bah ils servent à rien. Bien sûr que personne ne veut se présenter. En attendant, Mairie du Nord, Mairie du Sud et Gouffre, c'est à SAP. Je suis en train de m'inquiéter, il restait 2 minutes, on est avec 2 mecs là. Bon, allons faire un point de savoir qui c'est qui est. James, il me disait que ça serait bien qu'on envisage de les rencontrer. Ah, pour moi, il y a un gagnant, il prend la place. Si ça le fait, c'est nickel. Si ça le fait pas, il crève. Exactement. On n'a pas fait de rencontre avec James et Zach. Non, mais ils sont encore durs en plus. Un qui a pas livré à moi. Voilà. Il y a Pompon et César là. Au Cara. Ouais. Au Cara quoi. J'irai presque au coin. Alors... Et hop là, on va faire ça quand même, pure sécurité quand même. Ok. Ouais, attends, ça. Après tu me diras, depuis le début ce que je raconte c'est quand même le fonctionnement de la moitié de nos états. Et c'est tout. Et le bac c'est ça? Oui. Et le bac, batterie, ton numéro. Et puis le lobbying, tu le retrouvais tout le temps. Oui. Ça marche. Et c'est pas le seul en Europe, c'est pire. Attends, j'ai oublié un truc. Pardon, excuse-moi. Le Cubi. Cubi, ok. Suivant. Suivant. J'ai vu un pays, ils font pareil, c'est pire. C'est un tout petit pays qui est constitué. Qu'est-ce qu'on va faire se merder là? Ça sort d'où les batteries? L'Espagne et l'Allemagne. Ils voltent, non? Ah, c'est quoi, batterie, s'ils voltent, oui. Je pose un Cubi. Ah, je crois qu'il y a quelqu'un qui est rentré en marche arrière, mais c'est pas autant. C'est lui qui m'a appelé, enfin c'est le gars de Evil qui m'a appelé en me disant ouais, est-ce que j'ai... Ouais, j'ai vu ton message, ouais. On planche. Boss à 45, si ça arrive, on leur dit de dégager ou... oui, j'ai dit 45 fin. Donc tous ceux qui sont pas là, terminés, ils peuvent se casser. Ouais, je prends juste leur numéro et je leur mets 0. Quoi. Et tu leur mets 0, oui. Okay. Enfin après, de toute façon, les numéros on les a. Ouais. En fait, tous ceux qui arrivent maintenant marqueront pas de points. Salut, c'est le gâteau. Ouais, c'est ça. Voilà. Je peux les laisser ici, mais ils marqueront pas de points. Ok. Tu prends leur numéro, tu mets 0 sur l'épreuve 4. Ouais, ouais. Tiens, regarde. Ok. Merci beaucoup. Agop, il a fait 6 points. Hein. Ah, il a une malade G6. Donc, ouais, plus. Ah, une malade G6, c'est 10 points. Que j'ai pas mis dedans. C'est 10 points. Suivant. Bon, c'est tout vu, hein. Voilà, il va exploser les scores, je pense. Hein. T'es prêt à te faire présenter tes respects, Alan? J'avoue que la situation était assez drôle quand même. Les poubelles. Allora. Ok, un pile de yuno. Une farine. Une essence. Une planche. Et bien. Une coupe de vin. Adieu, si, si. Un yellow back. On fait putain, Lino, il a vraiment les deux. C'est tout bon. Eh, tu te rappelles quand il a tu lui as demandé de braquer une banque? Ah oui, c'est vrai, il a demandé de braquer une banque. Mais il était en vélo et masqué devant une banque aussi. Oui. Et t'avais répondu quoi? Tu vois. Je sais plus s'il m'avait répondu. Si oui, il voulait y aller, je lui ai dit, mais sans étage, ça va être compliqué. Hein. Numéro 10. Ok. Cerise, orange, pomme. Ok, ça marche. Bah, rien du coup. Ah oui d'accord. Ouais, je vois pas de fraises. S'il ramenait des champignons, je pense qu'on le tuait. Je l'ai tout fait avec. Ah toi tu pouvais faire ton omelette au moins. On aurait pu refaire un go fast. Il manque Sébastien. Mais qu'on n'a pas vu à l'étape 3 donc... Ouais alors Sébastien j'ai l'impression qu'on l'a pas vu beaucoup. Il arrive tout le temps mais il a 20 minutes de retard. Donc ouais il y a tout le monde qui est venu. C'est peut-être les 20 minutes du Nord. Décalage horaire. T'as un jour boss. Alors... Ah oui, y'a pas photo. Il a style et... 4 points d'avance. Plus que ça? Oui. Ah, 35 et 31 à Noah. Ouais, la mallette a pas été comptée. Ouais, il manque 10 points dans ce truc là. Ah, bah je sais pas. Ok. Voilà, oui, là, maintenant ça. Oui, il a 14 points du coup différence. Ouais. Il a 14 points d'avance. Oui. Ok. Merci pour votre participation. Classement des fins. Numéro 5, premier. Avec 14 points d'avance, numéro 13, deuxième. Numéro 10, troisième. Numéro 11, puis après tout le reste, vous êtes trop loin. Reste uniquement numéro 5. Les autres s'en vont, merci à vous. Oh, c'est beau une vestiaire avec les phares rouges. Toi qui t'as entendu. Madame de goût. Ah bah je suis choté, non je pense pas. Agop. Oui monsieur. À partir d'aujourd'hui, t'es à la disposition de la Mano. Tu deviens prospect de la Mano. T'es disponible nuit et jour pour la Mano. Si tu fais l'affaire, tu deviendras Mano. Si tu fais pas l'affaire, tu crèves. Est-ce que tout est clair pour toi? Je comprends. Tu comprends que les seuls moyens, c'est ou rentrer ou crever? J'ai compris, monsieur. Tu l'acceptes? Bien sûr, monsieur. Bah allez, expliquez-lui la base. Il va falloir te changer. Tu lui mets pas les mêmes habits. Tu lui mets... Il est bien comme ça, on peut pas garder une semaine comme ça? Ouais, une semaine comme ça c'est bien. Tu lui as fait les papiers ou pas? Non, je lui fais 0 papier. Ok, ça marche. Bah allez, on va commencer par le plus simple puisque tu connais tout le monde. Non. On est d'accord que je lui fais pas de papier tout de suite? Non, 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 on va voir ce que ça donne. De toute façon, c'est comme ça qu'on a fait la dernière fois. Bah je sais plus, putain. Comment on change tous les 4 matins? Ouais. Comment on avait fait la dernière fois? On avait donné accès à rien du tout, mais ça avait été compliqué parce que du coup ils se sentaient pas trop intégrés. Après la fois d'après, on avait laissé un peu plus de choses. Et après on était revenu en arrière. Ouais, non, la dernière fois, on avait laissé un peu plus... En fait, le seul truc qu'on n'avait pas donné la dernière fois, et je pense que c'est bien de le garder, c'est l'accès au porte-avions, Patriot, tout ça, tu vois. Attends, j'appelle James. Oui, boss. On vous avait donné quoi comme accès avec toi, Zach? Oh là, au début, on n'avait pas grand-chose, on vivait même pas la villa. Vous vivez pas la villa, vous aviez pas tout ça, quoi. Je me demande si on n'a pas juste accès au QG, c'est tout, on n'avait pas de porte-avions. Je peux venir? Oui, viens. Ouais, on vivait pas à la villa, on n'avait pas accès au porte-avions. T'avais pas accès à l'intranet? On n'avait pas accès à l'intranet. Si, on avait accès à la discussion, mais pas au reste. Boss, Alan, désolé de déranger. Est-ce qu'on l'intègre à l'appart ce soir ou pas? Non. On est en train de discuter. D'accord. On avait accès au QG parce qu'on faisait quand même les allers-retours montagne-vignoble pour faire les chargements. Mais vous aviez accès au champ. En fait, vous n'avez pas accès au porte-avions, vous n'aviez pas accès au business Patriot en gros. Vous n'aviez pas la connaissance Patriot. C'est ça, ouais. Et pas accès à la compta. J'arrive. C'est ça. Ouais. Bon, il fait 2-3 jours comme ça, un aide de camp. Et après, on voit. Ah, ben on passe le week-end en gros. C'est ça. Et lundi prochain, on voit pour lui donner plus d'accès. Ok. C'est-à-dire qu'on se fait en PM++, il est présent avec nous, on vient le faire récolter un peu et... Ouais, yes, ça marche. Bon, du coup, John... accès au QG? Ouais, il faut accès au QG. Juste, en fait, le seul truc qu'on n'avait pas donné accès, c'est les apparts parce qu'il y avait l'armement. Le QG, en soi, c'est ce qu'il va aller récolter sur le champ, donc... En fait, faut quand même qu'ils se sentent dans la mano, tu vois. Parce que, en fait, le problème, c'est qu'avec Thiago et Neru, on avait tout bloqué et les mecs se sentaient vraiment à part, quoi. Pour le moment, il vit pas à la villa, il a accès qu'au QG. Point. Faites-le bosser et si tout se passe bien, début de semaine pro, on lui donne plus d'accès. C'est pas mal, non? Ouais. Voilà. Et je lui ferai les papiers début de semaine prochaine si tout se passe bien. Ouais, c'est ça. Prenez le temps de tous aller vous présenter. Ok, beau et impeccable. Je peux y retourner? Vous avez dit, il est psychorigide. Alors, c'est Jade qui le trouve... Moi, je sais ce que Jade... En fait, j'ai mis le dos sur ce qui dérangeait Jade. Il me fait penser un peu à Thiago quand il était PM. On a discuté un peu du côté psychorigide. On était assez en phase sur le fait que, de toute manière, si c'est un profit parmi tant d'autres à la mano, de toute manière, c'est pas un problème, mais ça peut être aussi un avantage en soi. On en a 1 sur 12 qui est juste... machine, on dit quelque chose, il le fait. Je sais pas ce que vous en pensez, hein. C'est pas à moi de réfléchir à ça, mais... On va commencer simplement. Simplement, c'est bien. On voit ce que ça donne sur quelques jours. Ouais, de toute façon, on va vite s'en rendre compte. Hein. Voilà. Et par la suite, on fait les points. Allez, à voter. Let's go. Zach me demande comment on l'habille. On l'habille comme un prospect. Oui. Le prospect, c'était pas de collier, pas de tatouage, c'est ça? C'est ça. Et voilà. On part là-dessus. En fait, on voit qu'on sait que au niveau comportement, ça peut être un peu spécial. Il faut quand même le faire rentrer dans la famille pour voir si ça change quelque chose, ça. Et c'est là qu'il va falloir étudier le changement de voir comment ça se passe. En tout cas, ça va être un gros bosseur, il a tout réussi, il a été présent sur toutes les épreuves ce soir, donc ça montre quand même que le mec... C'est quoi ses horaires? C'est le cas t'es cherché le manager, si, je pense que ça montre quand même que... C'est quoi ses horaires? C'est 19 minuit. C'est le soir. C'est comme tout le monde. De toute façon, ça tu choisis pas. Non. Ok, bon, et bah on fait le point demain. Bon, allez. Yes, let's go. Ça marche. Elle est passée où ma femme? Elle est partie en son hélicoptère, je crois. Et t'as d'autres trucs à faire pour se pour lui ou pas? Non. Ouais, ils vont l'habiller, moi je vais me coucher. Ouais, je vais y aller aussi. Ouais, bah pas de problème, on s'en occupe. Vas-y, bonne nuit, Amanda. Bonne nuit. Bonne nuit. Alexis, tenue des prospects, pas de tatouage, pas des colliers. Ouais. Accès au QG, pas accès au reste. Si tout se passe bien, il aura accès au reste en début de semaine prochaine. Ok. Vous vous présentez tous tranquillement, qu'ils sachent qui est qui fait quoi. Voilà, et puis ils bossent sur les ordres de tout le monde. Très bien, boss. Allez hop. Sur ce, bonne nuit. À demain. Bonne nuit, boss. Bonne nuit, boss. À demain. Elle est revenue, Kim. Oui, chérie. Oui, je vais me coucher. Mais j'arrive dans 2 secondes. Allez, super. À tout de suite. À tout de suite.